Voilà la rente, comment allez-vous? Allez, bon lundi de Pentecôte à tout le monde. Ce sera passé bien sûr pour vous. Et moi, sachez qu'aujourd'hui, donc le lundi 27, quand sort cette vidéo, je serai à Arles en formation. Voilà. Bref, il est quasiment 10h30. Je me suis levée vers... Ouais, 9h. Je me suis lavé la tête. On vient de déjeuner avec les filles. Alors, elles sont montées normalement se laver les dents. Lorena s'habiller, tout ça. Et c'est bon, elles sont pas redescendues pour l'instant. C'est pas grave, si elles jouent, c'est très bien. Lorena a ses devoirs à faire puisqu'elle a pas fait du week-end. Et sinon, après, elles vont faire des activités. Comme maman. Voilà. Je vais vous dire plus ou moins ce que j'ai fait donc hier. Je sais pas, vous êtes illuminés là sur. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin, bref. Alors, j'ai décidé, puisque c'était le but de mon méga bureau, d'avoir cette partie-là colo et l'autre partie pour laisser les activités en cours. Sauf que mon petit DP, c'est vrai que j'avais tendance à le déménager au salon quand avec Loïc qu'on veut regarder des trucs. Mais ça me gonfle, il faut refermer les petits pots, j'avais pas assez de barquettes. Donc en fait, je perds un temps fou à mettre les diamants, les ranger, ressortir les barquettes et tout ça. Bref. Un DP, si on veut qu'il avance et qu'on veut surtout s'y coller, il faut qu'il soit en place. Il faut qu'il soit en place, qu'on laisse les barquettes et qu'on ait toutes les couleurs accessibles. Comme ça, hop, dès qu'il y a besoin, on prend la barquette qu'il faut. Voilà. Ça, c'est ma petite astuce de DP. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors, c'est tout hier, hein. Je me suis installée là. Et au final, ben, mon DP est quasiment fini. Voilà. Alors, je me disais de le finir aujourd'hui, ce serait pas mal. Mais j'ai pas envie que ça me bouffe non plus toute la journée. Il va falloir que je dose pour voir vraiment le timing qui me reste à faire. Sinon, j'aimerais aussi faire du colo, parce que j'en ai pas fait hier. Au niveau de ce que je devais faire, tout est OK. Donc après, c'est soit, là, je me... Ouais, je m'en vais dans des WIP. J'ai la carte Disney aussi que j'aimerais bien avancer aujourd'hui. Je me disais, les personnages, ça pourrait être sympa. Oui, c'est ce que j'avais prévu. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous change d'angle. Comme ça, ce sera plus simple de vous montrer. Je suis encore avec mon petit déj. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, donc voilà. Je suis installée comme ceci. Ah là. Regardez ça, comme elle a bien avancé. Donc il me manque. Ben, tout ça, quoi. Autant dire que réellement, dans la journée, il pourrait être fini. Mais comme j'ai pas envie d'y passer toute la journée, et que lui, une fois en fait installé comme ceci, ben, je m'en fiche. Hein. Le matin, avant de partir au travail, là, cette semaine, je pourrais faire petit bout par petit bout. Donc, parce qu'en fait, même quand je commence, vous voyez, hop, on peut refermer. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce côté-là. Hop, je m'éloigne. Ce côté-là, DP. Et bah, quand j'ai pas besoin, ce côté-là est dispo. Voilà, bon, je me mets la tablette forcément pour avoir mon... Parce que je pourrais très bien le mettre au-dessus. Mais... Ouais, je laisse en place mon fils, je fais qu'écouter. Voilà. Et comme ça, ma table là-bas reste toujours dispo. Voilà, il y a le... Je vais vous montrer le Marcus à Lorena. Elle est en train de faire des perles à repasser. Et donc là, elle m'a fait Marcus. Voilà. Et elle est en train de faire Chase et j'attends d'en avoir deux pour les repasser. Oh, j'avais perdu le mot. Bon, mais donc je vais m'y coller. Il est quasiment 11h. Je vais voir jusqu'à midi, midi et demi. Après, on va manger avec les filles et puis voilà. Allez, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Ah oui, juste, je voulais vous dire, ça y est, regardez, j'ai équipé de mes peluches. Donc, j'ai remis Anna et Elsa ici. Là, il y a bon, Mickey et Minnie. Là-haut, du coup, j'ai mis le gros coussin. C'est vrai que ces gros coussins, c'était bien, hein, ce qu'a sorti Disney, là. C'est munching énorme, là. Mais on les met où? Voilà. À côté, ma pop Ursula qui restera pour l'instant dans sa pop, dans sa boîte. Parce que j'ai pas envie de la sortir et que je me dis que ouais, ça peut être sympa qu'elle reste dans sa boîte. J'ai toujours ma duchesse qui... Elle est vieille. Oh là là, je crois que j'avais dans les 15 ans quand je l'ai eue. Ouais. Bref, ma petite déco à moi. Bon, là, j'ai pareil, j'ai Caposquette, là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, de la méchante reine. Je verrai, il faut que je la sorte, il faut que je la monte. Voilà.
Et je crois que c'est tout au niveau. J'ai Shrek au milieu des trousses là-bas. Pour l'instant, je ne savais pas où le mettre. Voilà, voilà. Bon, la vidéo a bugué, donc je reprends. Donc ici, j'ai mon oracle, pas tarot, oracle alchimie de lumière. Et là-bas, donc mon tarot vilain. Et il faut que je trouve l'oracle des cartes Disney. Voilà. Ah, ben c'est ça que je voulais que proposer à Loïc pour la fête des mères. Ah ouais. Bon, je lui dirai. Voilà, puis après, écoutez, rien de plus ici. Là, c'est toute ma caisse de stickers à faire. Voilà, toutes mes trousses. Et là, au niveau de ma pack, bah, écoutez, j'ai quasiment tout fait, puisque ça, ouais, c'est des trucs en plus. Mais sinon, j'ai fait tout ce que j'avais normalement de prévu. Voilà. Écoutez, pour l'instant, je suis très satisfaite de vraiment tout mon nouveau bureau, de mon coin. Je suis trop bien dans mon coin. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, ça y est, il est 12h40. Je vais m'arrêter pour aller faire le repas. Je vous montre mon avancée. Voilà. Donc ça y est, les gambettes sont faites. Je crois que quand je vous ai pris ce matin, j'en étais ici à peu près. Donc là, j'ai bien avancé. Je vais super vite du moment qu'en fait j'ai tout comme ça en place. J'ai plus qu'à prendre tout les numéros. Après, ce qui est super aussi, c'est que bon, j'utilise. Donc mon nouveau stylet de DAC, il est extra au niveau de la prise en main. Il est pas trop lourd, mais en même temps, il a un certain poids pour vraiment bien sentir que ben voilà, qu'il est solide. Et j'utilise le multiplaceur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, de toute façon, c'est pas une pose parfaite, étant donné que bon, ben voilà, hein, c'est une toile asiatique et que. Bon, j'avais quelques vite fait rivières. Bon, je les gratouille avec la pince à épiler, c'est beau. Ça passe. Mais voilà, oui. Regardez, j'ai des. Voilà, les carreaux sont pas forcément très droits. Vous voyez, là, il y a énormément de trous. Quand on regarde de plus près, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas du DAC, hein? Et puis voilà. Mais ça m'ira bien. Moi, franchement, j'aime bien faire des petites toiles faciles, rapides. Après, je les mets dans mon porte-vue ou dans mon range des trucs de canson, là, vert. Enfin bref, je ne sais plus comment ça s'appelle, les grandes chemises vertes, là. Voilà. Donc, il me reste ce petit bout et ça. La question, c'est est-ce que je fais aujourd'hui ou est-ce que là, je mets en stand-by? Parce que j'aimerais vraiment avancer ma carte Disney. Allez, ben écoutez, je vais manger. Enfin, on va aller surtout faire à manger. Je sais pas, je crois que je vais leur faire des gnocchis pour midi. Moi, j'ai encore des pâtes d'hier, mais je sais plus si j'avais pas dit à Louis que je gardais les pâtes pour ce soir. Et non, parce que ce soir, on fait le bouillon de poule. Je sais plus trop. Moi, mais je vais voir ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, recette donc des l'eau fraîche. Oui, alors là, à côté, c'est ma saucisse. Sinon, voilà, c'est. Des linguini, épinards, tomates cerises, crème fraîche, épices italiennes, des noix torréfiées. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Oh non. Alors, qu'est-ce que je vais goûter ici? Attention. Ça va, Lorena? Tu calcules, ça va? Alors là, ça va pas. Qui c'est que tu fais? J'ai mis, mais ça Marcus, ok. Allez, je vous reprends rapido. Il est 16h. On a mangé. On a regardé finalement SOS Fantôme répondre à l'appel, un truc comme ça. C'est celui avec les filles. Ouais, Loïc, il aime pas trop, mais moi j'ai bien aimé. Il y a des petites touches de rappel. C'est un petit peu du. Ouais, vraiment une comédie, quoi. C'est tourné un peu à la dérision, mais. J'ai bien aimé. Avec Chris Hemsworth, là, qui, à un moment donné, leur demande. Quand il fait l'entretien d'embauche, qui est bête comme ses pieds d'ailleurs dans ce film, et que du coup, il dit, qu'est-ce que vous faisiez avant? Il dit, ah bah avant, j'étais un super-héros. Enfin voilà. Je trouve les petites touches comme ça d'humour sympathique. Enfin bref. Ah, ça y est, ça change encore de couleur. Bon, c'était juste pour vous dire qu'après le film, donc Lorena avait fini Marcus et Chase, donc je lui ai repassé ses perles. C'était pas la super qualité, le papier a accroché, enfin bref, bon, j'y suis quand même arrivée. Mais là, je vois que
La plaquette, elle est complètement gondolée. C'est pas grave. Et pendant le film, donc, j'ai commencé, hop, un mystère dans mon grand classique magique, cercle magique, parce que c'est celui qui correspond dans mon listing. J'en avais éventuellement préparé deux. Donc là, j'ai pris la page 38. Et c'est au Stadler, donc les Karat aquarelles et les Stabilo aquacolor. Voilà. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, on voit clairement qui c'est. Fermez les yeux, celles qui ne veulent pas être spoilées. Donc, on y va. Allez, fermez les yeux. Hop. Voilà. Bon, écoute. Tranquillou. Voilà, je suis en train de faire. C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, je ne sais pas si je continue lui ou si finalement je continue ma toile de DP parce que je me dis que maintenant que j'ai commencé un mystère, ben, j'aurai ça pour le matin. Voilà. Et que là, au pire, vu qu'il flotte et tout, je continue à mon DP parce que il est quasiment fini. Parce que comme ça, j'ai mon mystère pour le matin. Ah oui, et c'était sinon la carte Disney que je voulais faire. Ah, je me connais. Là que j'ai tout de sorti le DP, j'ai envie de le finir. Je vais pas laisser ça pendant toute la semaine. Bon, ben, je vais déjà essayer de finir la dernière bande. Et après, c'est vrai que je vais me dire, ouais, mais il me reste plus qu'un petit bout. Bon, de toute façon, franchement, à 5 h, j'ai mis une alarme pour que les filles viennent goûter. Et ensuite, ben, réellement, j'ai que attendre Loïc. Ce soir, donc, c'est la soupe de bouillon de poule avec petite pâte alphabet. Et ensuite, les nuggets crispy maison, de l'eau fraîche. Et nous, on aura une salade avec. Ouais. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là et continuer mon DP, je vous tiendrai au courant. Il pleut, ça y est, mais bien. Il faisait beau ce matin et là, il flotte. Voilà. On en a besoin, mais là, en ce moment, c'est chiant parce qu'une journée, ben, il faut s'habiller. Il faut être paré à toute météo, quoi. Parce qu'il peut faire super chaud et être en t-shirt et tout d'un coup, vous faire une saucée et être trempé comme une souche. Donc voilà, c'est la fête. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, ça y est. Je vous reprends donc 23 h. Je viens de faire une visio avec mes parents donc, qui sont en Espagne. Donc c'était bien sympathique. Après, c'est vrai que voilà, j'ai pas. Il n'arrive pas grand-chose dans ma life. Donc j'ai pas beaucoup de choses palpitantes à raconter. Je ne vois personne. Donc c'est vrai que c'est un peu plat. Alors oui. Pour vous, j'ai de quoi raconter puisque je parle de mes activités. Mais bon, voilà. Avec mes parents, je ne vais pas forcément parler que de colo, de DP, de broderie. Ou... Voilà, bon, on me parle un peu avec ma mère parce qu'elle fait du tricot. Mais c'est vrai que voilà, il nous arrive pas grand-chose. Hein. Nous, on a une vie un peu plan-plan, pouf-pouf avec les filles, l'école, voilà. Nos activités. Puis c'est vrai qu'on est assez casanier, quoi. Bon. Mis à part ça, j'en ai quand même profité avec mes parents pour finir mon DP. C'est la petite donc, que je vous montrais pour qu'on tasse un chibi quoi, ou un animator. Ouais, je crois. Je vous la montre. Elle est finie, mais il faut que je l'encolle. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Hop là. Elle n'est pas grande, c'est une 30 par 40. Je ne sais même pas si c'est une vraie 30 par 40. J'ai bien aimé, elle est rose, franchement elle est mimi, elle est mimi. Et j'ai, alors, je la mets de près, mais voilà, vous voyez, les diamants et tout, en fait, il y a des écarts, c'est pas la super qualité non plus. Voilà. Elle est sympathique, elle est pas trop mal au niveau de l'image, mais c'est sûr que c'est pas la grande qualité. Moi, pour l'encoller, en fait, je fais simplement que passer de la laque pour enlever le collant. Je ne sais pas si c'est efficace sur le long terme. Et après, de toute façon, elle ira dans mon... Alors, je pense pas que dans l'A3, elle rentre. Vous savez que je l'ai d'ailleurs, mon truc de A3. Ah, je crois qu'il est là-bas. Donc, moi, ouais, je verrai, mais sinon, je la mettrai dans le porte-revue, là. Sinon, pour cette toile... Alors, je ne vous fais pas des vraies revues de diamanteuses. Et moi, je ne suis pas experte. Oui, je peux vous dire que pour le fond, donc, il y avait surtout deux couleurs. Il me reste quand même tout ça pour le rose foncé. Donc, 8 sachets. Alors, c'est des petits sachets. Et 3 de clair. Et après, il me reste quand même pas mal. Enfin, pas mal. Pour certains numéros, j'ai vraiment eu peur d'en manquer. Mais vous voyez, pour les cheveux, voilà. Voilà, c'était ça, il me reste.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Je cherche un qui a plus très. Qui avait plus beaucoup. Ben là, le noir, voilà. Finalement, il y en a 310, j'en avais pas beaucoup. Je sais pas si je les garde ou pas. Je sais plus si je m'étais dit que je gardais que ceux de DAC et de qualité. Donc, je vais voir pour après vider la valisette et préparer autre chose. Bon, ceux-là, je peux les garder entiers. Voilà. Mais après. Je l'avais commencé, donc cette toile, le 24 mars 2024. On est le 20 mai. Bon, ben, on va dire que. Ouais, quasiment 2 mois. Un peu moins de 2 mois. Bon, c'est très bien. Acheté sur Vinted en 2023. Et juste avant, j'avais fait celle-là, en fait. La toute petite, comme ça. Et je l'avais fini le 2 décembre. Donc, bon, quand même. Voilà, j'ai mis du temps entre les deux toiles. Je me suis sortie pour faire comme ça, là, vite fait, cela. Les petits d'action. C'est des stickers. Voilà. Et après, j'ai tous les stickers aussi de l'album. Mais dire que là, je ne suis pas pressée, je les ai tranquilles. Mais il va falloir que je me les complète. Donc voilà. Et là, j'avais sorti. Ouais, je vais me motiver. Le grand atlas pour avoir le modèle. Et ma carte que je ne fais plus en live. Que je dois finir par moi-même. Voilà, je vous remontre ce qu'il en est. Et je dois faire donc tous les petits personnages et les petits détails. Voilà. En gros, il me manque la montagne, le château et les personnages. Et le petit détail. Il n'y a plus grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je lâche. Voilà. Je vais voir si je me motive là à faire ça. Après, peut-être pas tous ce soir, mais déjà. Je vais sélectionner aussi des gammes de crayons. J'ai envie de les faire au crayon de couleur classique. Puis, je vais voir lequel. Donc, assez productive. Très, 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 très bien. Voilà. Ce week-end de Pentecôte m'aura bien servi. Après, une fois que j'aurai un collé, je découperai comme à celui-là la réglette, le petit dessin. Et puis ça ira très bien pour mon cahier de suivi. Moi, mon cahier de suivi d'épée, vous savez, c'est pour. Voilà. Je colle ce que j'ai fait au fur et à mesure. Je l'ai commencé en 2022. Voilà. J'ai commencé en 2022. C'est pas énorme, hein. 2023. Ouais. J'en ai fait un petit peu plus, hein. Même pas. Ah, mince! Je m'aperçois qu'en fait, j'avais fait au moins un gros écrit 2022 et 2023. Et 2024, j'ai pas fait. Bon, mais je le mettrai là sur la tranche, ici. Ouais, je vais faire quelque chose pour dire quand même que c'est 2024. Bon, ben je vous laisse là. Je vous dis sûrement demain parce que là, je vous remontrerai plus qu'il en est. Coucou! Bon, ben mardi 21 mai, ça y est, je suis à la maison. Il est. Quelle heure il est? Il est midi 58 exactement. Je suis en train de faire chauffer ma soupette. Voilà, puisque à midi, je vais manger la soupe. Hier soir, Loïc. Enfin, non, hier, on a mangé la soupe. Loïc a mangé les pâtes aux légumes. Et pour ce midi, comme il m'a dit qu'il en restait encore pour deux, je crois, lui, il a pris les patates et le poulet qu'on avait du week-end. Et moi, je vais manger la soupe d'hier. Ouais. Comme ça, ce soir, nous, on remange vite fait les pâtes. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait alors avec les filles? Ah, mais on fait les crispies. Oui, finalement, que j'ai pas fait hier. On fera les crispies d'Hello Fresh. Et je verrai avec une purée ou. Ah oui, d'ailleurs. Ah, avec des frites de patates douces, j'avais dit. Ouais. Ça peut être pas mal. Bon, bref. Donc là, le temps que ça chauffe, vite fait, je vous montre le résultat de mon DP. Parce que je sais pas si je vous l'ai montré finalement que je l'ai fini hier. Aïe, je perds la boule. Bon, au pire, c'est pas grave, là je vais vous le montrer parce que j'ai mis la laque. Voilà, comme ça je vous montre un peu ce que ça donne. Et ensuite, ce matin, j'ai avancé. Ah oui, j'ai avancé mon mystère grand classique, donc les cercles. Et j'en suis à faire le faux. Voilà. Oh, Stabilo Aquacolor. Franchement, ils ne payent pas de mine. Je vous assure, ils sont légers. Ils sont. Mais moi qui, du coup, fais beaucoup maintenant de crayons aquarellables, hormis les grands noms, on va dire. Les gammes artistes qui coûtent effectivement cher. Celles-là sont. Les Stabilo Aquacolor sont très abordables. La pigmentation, j'adore. Je vais vous montrer, pour ceux qui s'en fichent, de voir ce que c'est, parce que là, le dessin est vraiment très clair au niveau mystère. Mais vous allez voir le orange. Le orange, à quel point, mais il est vif. Mais d'ailleurs, et le jaune aussi. Le seul que j'ai. C'est quoi? C'est le rose et le. Attendez, je crois que je me suis plantée.
Non, l'orange, c'est au karat. Ah oui, non, ouais, bon, enfin bref, dans tous les cas, celui-là ou le karat aquarelle, voilà, c'est ceux-là, là, de Stadler. Ils sont super bien aussi. Voilà, ceux-là. Donc ça, c'est l'orange. Oui, c'est ça. Il est vachement vif. Autant, ben, là, j'ai qu'une petite poignée des karat aquarelles, mais je pense que je vais me. Je pense peut-être que les prochains achats crayons, les gammes, ce seront ceux-là. Peaufiner lui, parce que lui, j'ai les 24, je crois qu'il n'y en a que 36. Et karat aquarelle, il faut que je m'y penche, parce que je sais qu'il y en a 60, je crois, sur Vinted. J'en ai trouvé, mais ça reste quand même un certain coût. Mais je me dis qu'ils doivent être très vifs et ça doit être sympa d'avoir plusieurs couleurs. Voilà. Parce qu'ils ne payent vraiment pas de mine. Mais en tout cas, moi, je trouve que quand même, au niveau pigmentation et réaction, ils sont efficaces, quoi. En tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les Onart. Ça, c'est une évidence. Allez, je vous montre. Fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. Allez, vous êtes prêts? Vous avez les yeux fermés? On est bon. Voilà. Donc, comme je vous disais, le orange, vous avez vu comme c'est vif? Voilà, ben, le orange, c'est au karat aquarelle de Stadler. Donc. Et là, je suis en train de faire le fond donc, au vert. Qui est au Stabilo, donc ben, je vous montrerai. Et sinon, au Stabilo, c'est ce jaune-là. Alors, certes, sur la légende, il devrait être plus clair, mais bon, on s'en va bien. Le rose, c'est aussi au Karat Aquarelle. Donc, vous voyez, c'est un beau rose bien fuchsia. Voilà. Et là, c'est le vert, pareil, au Stabilo, un vert kaki. Voilà. Voilà, un petit peu. Donc, je ne sais pas si je l'avancerai aujourd'hui ou si je le garde pour juste les petits matins. Ah oui, et puis je vais vous montrer donc le DP. Allez, ceux qui ont fermé les yeux, vous pouvez bien sûr rouvrir. Donc, le DP, voilà. Ah, si je vous en avais parlé, que je l'ai commencé donc il y a 2 mois. Écoutez. Mais après, le truc, c'est que des fois, ben, je commence et puis un petit bout et ça traîne et ça traîne. Et puis finalement, après, ben, quand j'y mets un grand coup de collier, vous voyez, en une semaine, je l'ai fini. Voilà, j'ai fait la semaine dernière. Donc là, bon, effectivement, quand on met la laque, peut-être ça enlève du brillant. Bon, après, il faut dire que, étant donné, déjà, c'est pas non plus super brillant, hein, c'était pas super, super brillant, mais voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec la laque, ça colle plus. Oui, hein, bon, ça colle encore un peu, mais bon, on s'en fiche. Là, ça colle plus. Sur les côtés non plus. Bon, ça sent bon, bien sûr. Et logiquement, c'est pas censé bouger. Voilà. Après, comme je les mets dans un porte-vue ou dans. Là, ce genre de choses. Voilà, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais aller manger. Et puis après, je m'occupe de découper tout ça. Là, je vais lui couper au niveau des bordures. Ça, je vais le garder avec ça dans mon petit suivi de DP, dans mon petit carnet. Et puis voilà. Ben allez, je vous laisse. Bon appétit s'il y en a qui mangent en me regardant. Et à tout de suite. Bon, je vous prends rapido. Je comprends pas si c'est à cause. Ouais, ça doit être à cause de l'arrière. Vous êtes. Full éclairé. Voilà, peut-être plus par là. Ah ben non, c'est pas mieux. Oh là là! Voilà, en fait, il faut que je vous prenne contre-jour, quoi. si je vous mettais là, attendez. Moi, ouais, bon, c'est juste le temps de vous causer. Alors, j'ai fini, ça y est, il est. Ouais, il est 16h, tout pile. Donc, j'ai fini mon mystère dans le cercle magique les grands classiques. J'adore, j'ai adoré vraiment. Voilà. Donc je viens aussitôt de préparer mon prochain mystère qui sera dans le hiver, puisque pour l'instant j'ai aucun duo dans des mystères, donc je fais selon mon suivi. Alors on s'était dit avec Cendrillon de refaire peut-être un portrait de star. Donc oui, pourquoi pas. Mais là je fais avec des combos de feutre Estron, donc j'ai pas vraiment besoin de préparer. Il y a juste que ouais, si un soir là, devant une série, pourquoi pas ce soir. Enfin, je verrai, je lui dirai quelle est la page que je vais faire. Comme ça, elle m'a dit que oui, ça l'intéressait de faire aussi. Et sinon, là, donc, au fur et à mesure de mon suivi de A à Z, je fais à chaque fois, aussitôt infini, aussitôt j'en prépare un. J'en suis quand même, depuis le début que je l'ai mis en place, c'est-à-dire le mois de mars, voilà. Comme j'avais mal classé certains mystères, voilà. J'en ai aussi là. Hein. Du coup, vous ne voyez pas, là, c'est en rose, mais il y en a qui sont faits. J'en suis à. Combien j'ai calculé? Donc là, j'en suis actuellement à 14 colos depuis le mois de mars. Donc mars. Donc tout mars, avril, ouais, mai. Donc on est sur 3 mois. 3 mois où j'ai fait 14 colos en plus de tous les autres que à la base, ils sont prévus. Donc
Ce qui veut dire que depuis mars, pour l'instant, j'ai fait 14 livres mystères en plus que ce que j'aurais fait en temps normal sans mon suivi. Je ne sais pas si je suis claire. En gros, je me suis mis en place mon listing par ordre alphabétique de mes livres mystères pour que quand je ne sais pas quoi faire ou où aller, je ne me prends pas la tête. Selon mon listing, je fais au fur et à mesure de mes livres. Comme ça, en fait, l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, donc en un an, bon, un petit peu moins, j'ai commencé à marteau, 10 mois, en 10 mois, je puisse me dire que je suis allée dans tant de livres qu'en temps normal, peut-être j'aurais pas été. D'où c'est venu cette idée, enfin ce besoin ou cette envie d'un constat que j'ai eu fait l'année dernière, où il se trouve que bon, j'étais allée dans un livre, je sais plus lequel, si c'est Héros contre Méchants, enfin bref, un que je vais pas souvent, mais que j'aime bien, et où je me suis aperçue en faisant mon tracker qu'en fait je n'y étais pas retournée de toute l'année. Donc en gros, si vous voulez, c'est comme si voilà, j'en ai fait un colo en 2023 et que j'avais rien fait le premier étant 2022. Là, je me suis dit, c'est quand même voilà, embêtant, si on reste poli, mais d'avoir des livres. Alors certes, on pourrait me dire, t'as qu'à moins en acheter, comme ça t'en auras pas autant. C'est vrai. C'est vrai, mais ça, de toute façon, on va dire qu'on ne peut pas le contrôler. Et même, j'ai envie de dire, c'est même pas là une question de comment ça s'appelle, ça, de folie acheteuse, quoi. Ou même, c'est même pas d'ordre... Il y a un petit peu d'ordre collectionneuse, mais réellement, les mystères, j'adore ça. Mais vraiment, je kiffe ça. C'est-à-dire que c'est mon gros dada. Si dans, je sais pas moi, un tag, on me dit... c'est une obligation, là, tu dois colorier pendant un mois que dans un type de livre, c'est le mystère que je vais choisir. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que je vais même pas réfléchir, ouais, mais les blogs, ça peut être sympa, va les faire à l'alcool, ouais, mais si je prends les hors Disney, c'est plus varié, machin. Non, non, c'est les mystères, point final. On va dire que par ordre de plaisir, c'est d'abord les livres mystères. Voilà. Donc, chaque fois qu'ils en sortent un, selon la thématique, oui. Je prends. Après, c'est pas forcément un mal en soi, c'est juste que profondément ancré en moi, j'ai quand même envie de les avancer, ces bouquins-là. Et c'est là où ça m'a fait tilt, c'est pour ça que je vous racontais ça, que ça, quand j'en ai pris conscience, j'ai dit, tu te rends compte que si t'en fais un par an, t'en as pour 100 ans, ce qui n'est pas réalisable. Et que non, que ça m'est impossible. Bon, après... En soi, ça ne pouvait pas quand même être le cas que j'en ai pour 100 ans, étant donné que dans l'année, je fais un petit peu plus de, je sais plus, 300 mystères peut-être. Ouais, je ne sais plus trop, mais il faudrait que je calcule que... Allez, admettons, on va faire simple dans le calcul. On va dire que selon les mois où je colorie beaucoup et ceux où je colorie pas trop, 10 mystères dans le mois, ça c'est faisable, largement, pour moi. Largement faisable, 10 mystères. 20, ça ferait vraiment abusé de quoi. On va faire simple. 10 mystères. Il y a 12 mois, ça fait au moins 120 mystères par an. Donc, vous voyez, concrètement, admettons que je voudrais vraiment finir un bouquin, je peux, puisque les 100 pages, je les fais dans l'année. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que justement, plutôt que de faire ton suivi de A à Z et que tu ailles dans chaque bouquin à la file, est-ce que ce serait peut-être pas plus intéressant que je m'en choisis un seul, qui serait celui que je vais... Et non, même pas, parce que c'est même pas que je vais tous les mois, parce que c'est pas un tous les mois, ça en fait que 12. Pour finir le bouquin, ça veut dire que c'est dans celui-là où je fais 10 colos. Ouais, c'est 10 colos par mois dans ce livre-là. Et là, ça commencerait à m'embêter, vous voyez. Parce que autant j'adore enchaîner des mystères, autant me fixer sur un, me disant, bon, ben allez, tous les mois, je vais dire une connerie. Bon, je prendrai pas le Love Story ou le tome 11, bien sûr, mais on va dire un simple, allez. Un simple version vitro. Ouais, celui-là, je sais qu'il est totalement faisable. Ben, mine de rien, vous me dites, allez, maintenant, tu vas... tu fais 10 kilos dans... 10 kilos. N'importe quoi. Tu fais 10 colos dans le vitro tous les mois pour le finir. Ben non, j'ai pas envie. Vous voyez, là, du coup, ça me bloque et je me dis, ben non, j'ai pas envie de faire ça. Voilà. Donc, de toute façon, il faut faire selon ses envies. D'où le pourquoi je me bloque pas un bouquin. Après, il faut pas oublier que j'ai mes objectifs de l'année. Et donc, j'ai 2 ou 3 livres mystères que j'ai mis dans, potentiellement, à finir cette année. Voilà, donc
Quand on essaye de tout rassembler, objectif, volonté, plaisir, envie, duo, challenge, voilà, on est quand même pas mal au niveau rentabilité. Bon, j'avais envie de vous blablater un peu là-dessus parce que c'était ce que. Voilà, j'ai eu comme réflexion qui m'est passée par la tête. Et vous savez que j'aime partager mes réflexions. Du moment qu'elles ne tiennent qu'à moi. Comme ça fait de mal à personne. Qu'est-ce que sinon je voulais vous dire d'autre? Donc oui, j'ai préparé dans le hiver. Et donc là où je me tâte. Je me tâte. Soit, bon, je vais goûter bien sûr, mais soit je clôture le DP. Alors je sais qu'il suffit que je m'y mette et ce serait fait. En même temps, je n'ai pas trop envie. Ou alors je suis plutôt motivée par rapport au colo bac à me faire, on va dire, un colo dans un livre qui commence par K. Comme ça, je me dis, ça, entre guillemets, là, ça me stimule. Donc c'est soit le kaléidomorphia, soit. Le Kawaii Dark. Alors, il y en a un plus simple que l'autre, ça je vous l'avoue. Je crois d'avance que je sais dans lequel je vais aller. Ouais, je pense que je vais aller dans le Kawaii Dark. Et à fond dans tout ce qui est aquarella. Et comme ça, allez, basta. Un, il est entamé. Deux, il va faire pour le colobac. Et trois, je serai contente parce que je l'avais déjà en tête. Et que vous savez que quand j'ai un truc en tête, je l'ai pas ailleurs, comme on dit. Bon. Encore de la flotte. Il fait beau. Alors. Pour toute franchise, ce matin j'étais partie avec un pull. À 13h, quand je suis revenue, j'avais mis le pull et puis j'ai dû l'enlever dans la voiture parce que j'allais crever de chaud, littéralement. Là, je n'en pouvais plus. Et là, depuis une bonne heure et demie, il flotte. Après, c'est normal quand il fait super chaud, mais ça pète. C'est pas plus mal, c'est très bien. Il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, je vous le dis quasiment à chaque fois qu'il pleut, ça m'embête, mais c'est très bien. Voilà, je pense à ma piscine. Je vous laisse là. Je vous dis bon goûter si vous êtes en train de goûter. Et si vous ne goûtez pas et que c'est l'heure, allez-y, ne vous gênez pas. Allez chercher votre petit goûter. Faites pause. Je serai toujours là à vous attendre de toute façon. Et je vais aller goûter. Et puis je vous montrerai lequel j'ai sélectionné pour le Kawaii Dark. Ah oui, juste petit plus que je ne vous ai pas dit. Hier, j'ai également fait quelques personnages dans la carte Disney. Donc il m'en reste plus beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de me dire que est-ce que ce serait pas plus intéressant que j'avance encore ça? Mince, je viens de me redonner une idée. Bon, ben, je vous dirai ce qu'il en est. Allez, passons au goûter. Allez, je vous reprends rapido dans cet angle-là. Voilà. Donc, dans mon kawaii dark, ça y est, j'ai trouvé. Je vais faire celle-ci. Voilà. La licorne qui a un petit peu souffert. Alors j'avais deux choix possibles. Soit je la faisais version, là pour le coup très dark, on va dire, je sais pas si vous avez lu les livres de Skandar et le vol de la licorne. Et en fait dedans, bon ben j'ai adoré cette saga. D'ailleurs c'est bientôt que le tome 3 il devait sortir. Bon, enfin bref, peu importe. Et en fait, en gros, les licornes, bon, sont éternelles et elles sont liées à un cavalier. Si ben, le cavalier ne vient pas à la naissance de la licorne pour s'allier à elle et que voilà, il y a un partage de pouvoir et il y a vraiment un lien qui se crée entre les deux, bon, hein, ben, ça devient une licorne, comment ils appellent ça? Je sais plus, enfin sauvage, mais c'est pas le terme, c'est pas sauvage, c'est une licorne. Bon, enfin bref, peu importe. Et du coup, elle est vouée à pourrir, puisqu'elle n'a pas, elle n'a pas de cavalier. Donc, elle pourrit. Et dans le bouquin, elle s'est bien expliquée avec des odeurs fortes de soufre, de nécrose, quoi, hein, de pourriture, hein, voilà, clairement. Bref, ça m'a donné, du coup, ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, tu pourrais le faire, peut-être une licorne noire pour le coup. Mais il y a des étoiles, il y a un petit cœur, enfin, bref, comme ça se veut quand même kawaii. J'ai dit, mais non. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Qu'est-ce qu'elle a sorti, Bulle d'Arc-en-Ciel? Son défi sur My Little Pony. Et My Little Pony, sur le coup, je dis, ben non, parce qu'il n'y a que des poneys. Mais non. La Twilight Sparkle, là, c'est une licorne. Ah, en tout cas, elle a une corne. Donc, c'est une licorne. Voilà. Donc, je vais la faire, puisqu'elle a un défi qui est soit vous faites aux couleurs. Donc, elle a sélectionné six personnages dans My Little Pony. Soit vous faites un colo avec aux couleurs d'un petit poney, quoi. Je suis en train de le sniffer parce que j'ai une odeur, ça sent trop bon. Enfin bref. Soit. Soit.
Ah, soit c'est par rapport à leur. C'est pas leur aptitude, comment elle a dit ça? C'est pas leur activité. Ah, leur marque de beauté. Voilà, leur marque de beauté qu'elle nous a donné quelques significations. Donc là, j'ai rien au niveau marque de beauté. Parce que noir, arc-en-ciel, nuages, animaux, pierres précieuses. Non, pomme, magicien, ouais, non. Il n'y a pas. Mais voilà, je me dis, je vais les faire aux couleurs de Twilight. Donc, j'ai pris des petites, enfin, mes petits combos, parce que ce sera, vu que c'est un livre juste au recto et que la page, elle est bien sous vide. Eh ben, c'est pas compliqué. Ça va être vite fait, bien fait, cette histoire. Feutre à alcool et en avant Guingamp. Si je suis motivée, je vous le dis d'avance, ça m'étonnerait fort. Mais on ne sait jamais par quel miracle. Peut-être, une fois passé le feutre à alcool, je viendrai faire des ombrages pour peut-être voilà, mettre un petit peu plus de profondeur. Ce serait l'occasion de tester ce que tout le monde, là, à un moment donné, c'était l'effervescence du feutre à alcool pour base et de venir ombrer au crayon. Bon, moi, je n'ai jamais testé, je me dis, c'est l'occasion. Mais en toute franchise, il y aura forte chance que non. Mais on ne sait jamais. On ne dit jamais, Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau. Et donc, mis à part ça, les petites étoiles autour vont être pareilles avec des teintes de violet, de machin. Je vais essayer de faire un fond paillette, 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 paillette. Et là, pour le coup, c'est bien parce que le fond étant délimité par un cercle, ça m'arrange, j'ai pas toute la page à me faire. Voilà, j'ai un peu réfléchi à tout ça. Donc, comme je vous disais, Twilight, ah ben, je peux pas vous montrer puisque c'est sur le téléphone, mais en gros, elle est violette. Elle a la crinière. Surtout bleu prusse, voilà, bleu foncé, avec une mèche violine et une mèche rose fluo. Voilà, donc ça, je vais essayer de lui en faire une, là. Et dans la tête, et là. Voilà. Après, tout en violet. Il n'y a que le crâne, pour l'instant, je ne sais pas trop. Ah oui, il faut que je prenne une couleur, on va dire, blanc cassé au sable, quoi. Et puis voilà. Le fond dans un rose un peu plus pâle, le contour magenta. Et on est bon. Voilà. Bref, je vous laisse. Je voulais juste vous en informer, puis je vous montrerai si j'avance un petit peu où j'en suis. Bon, et je vous reprends. Alors, je me suis limite cassé la voix avec mon stress. Devinez quoi? Ça y est, la maman bourde revient. J'ai fait la boulette. En fait, donc Rebecca a cours le mercredi après-midi. Sauf que là, ça fait plusieurs fois où elle nous décale. Bon, avec les ponts, j'ai compris le pourquoi. Donc, elle faisait le mardi à 17h30 jusqu'à 18h30. Et là, de même, bah, pareil, elle déplace ses cours. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. J'ai oublié le cours de Rebecca ce soir. Donc, autant vous dire qu'il était 17h35 à la maison et je fais. Et tout ça parce qu'en plus elle a envoyé un message en disant en gros qui sera là au cours des petites demain puisqu'elle décale aussi les petites demain matin. Et là j'ai fait oh punaise Rebecca la danse. Donc j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai mis les chaussures, ouais, j'ai mis les chaussures, je me suis mis le premier sweat que je trouvais sur la chaise, les clés, j'ai fait sortir le chat, je suis partie en trompe vite chercher Rebecca. Donc là ça y est, je suis arrivée, je l'ai larguée, il pleut bien sûr, je me suis pris de la flotte, voilà. Alors j'ai pris le sac avec ses fringues de, enfin ses costumes qui traînaient en bas, et là j'aime bien, elle me dit ah ben t'as pas pris le sac avec Pédi, ouais ben excuse-moi hein, j'ai déjà attrapé le sac comme ça quand elle pourra te donner le reste des tickets de tombola et tout ça. Elle me dit t'as même pas pris la gourde, je dis mais t'en as une pour l'école, ah ouais mais elle est vide, je dis mais tu la rempliras, au final elle a pas voulu la remplir, elle est montée direct. Bon après c'est pas grave, elle est arrivée là, donc du coup je lui ai dit Rebecca aura du retard. On est arrivé 50, ça va, elle a quand même un bon 40 minutes de révision. Et puis, elle a quasiment pas loupé, comparé à d'autres qui ont fait que ça, loupé des cours. Mais alors, je vous jure, le stress, j'ai dit, mais punaise, c'est pas possible. Et je l'avais noté dans l'agenda, mais en fait, je me suis pas mise d'alarme. Et je l'avais pas noté dans l'agenda papier qu'on a à l'entrée. Et du coup, j'ai complètement oublié. Moi, dès que j'ai un jour férié, de toute façon, ça me décale complet. Bref. Donc là, je vais à nouveau repartir à l'école pour attendre l'autre, parce qu'en fait, Vittelkit sort à 6 heures. Donc, bah oui, bah j'y suis allée pour moi le cas, un quart d'heure près. Mais c'est pas grave, je retourne à l'école, attendre maintenant Lorena. Et une fois que j'ai Lorena, je reviens ici pour récupérer Rebecca. Ah, je vous explique pas le binzé ce soir. Allez, pour ce soir, regardez comme c'est beau. C'est des crispy poulets avec une chapelure panko, paprika fumée. Alors, ils nous ont fait mettre du yaourt à la grecque au lieu de mettre de l'œuf, pourquoi pas.
Après, il nous a manqué un peu, donc Loïc a pris son fromage blanc. Avec une bonne petite salade, tomate, sucrine, tout simplement. Des copeaux de parmesan. Ah oui, il faut que je mette des copeaux de parmesan. Donc ça y est, j'ai mis les copeaux. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Donc copeaux de parmesan et avec, en fait, c'est une sauce César maison. Voilà. Bon, les filles, comme du coup, forcément, la salade, elles veulent pas. Et j'avais la flemme de faire autre chose. Eh bien, ce soir, c'est accompagnement avec un peu de chips. Rebecca finit quand même la soupe. Donc, c'est pas mal. Elle a eu quelques légumes des carottes. Waouh, wow, ouais, effectivement. Allez, bon appétit. Allez, je vous reprends rapido. Donc là, on est mercredi 22 mai. C'est le matin. Voilà, je viens de déjeuner. Juste pour vous dire, donc... Hier, on a été quand même très efficace avec Loïc. On a fini deux séries. Sandman et les Chroniques de Bridgerton. Il nous manque un épisode. Je voulais le garder. Puis finalement, on m'a convaincue de le regarder. Voilà. Mais du coup, c'est affreux. Ça me laisse encore plus sur ma faim. Sinon, ben pendant encore regarder la télé, comme je vous ai dit, j'ai... Ah non, je ne vous l'ai pas dit. Il faut que je vous le dise, mais je ferai un blabla. Un blabla colo, un blabla quelque chose. Pour vous expliquer... ma nouvelle organisation de mes activités dans ma semaine. Voilà. J'ai pas eu beaucoup de demandes particulières à ce sujet, mais de temps en temps, en discutant avec vous, certaines me disent, mais dis donc, comment tu fais? C'est dingue, entre le boulot, les enfants, t'arrives à faire quand même pas mal de choses. Donc en gros, c'est tout simple. C'est une petite organisation dans la semaine, un temps, une activité. Mais je vous le détaillerai un peu plus tard. Donc là, hier, j'ai pris du coup les poignets reliés, j'ai fait deux poches, c'est déjà ça. Voilà. Et j'ai également commencé le mystère hiver, page 69. Voilà. Donc je vais vous montrer parce qu'on est au tout début. Fermez les yeux. Hop. Voilà, pour l'instant, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je comprends. Ah, vous avez vu ma fleur, qu'est-ce qu'elle est belle. Arrête pas de me faire plein de bourgeons, fait de fleurs. Et sinon, j'ai également commencé, voilà, je me mets dans l'autre sens. Kawaii Dark, je l'ai commencé. Et comme je vous disais, je crois que je vous l'ai dit ça, hein, aux couleurs de Twilight Sparkle par rapport au défi de bulles d'arc-en-ciel. Je sais pas si je vais y arriver. En tout cas, voilà, le début. En violet, elle fait moins peur quand même. Alors le crâne est fait, hein, c'est un léger rose pâle, hein, il me manque les cheveux et les étoiles et tout ça. Mais je verrai si après je rembourse, si je fais un truc particulier ou si je laisse comme ça. Pour l'instant, ça me suffit du simple à plat de feutre alcool. On verra bien. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser là. Et dans l'après-midi, donc Loïc s'en va après manger, il doit à tout près aller au bureau. Lorena a récupéré le taekwondo, puis après c'est bon jusqu'au soir, vu que Rebecca n'a pas un cours de danse, elle a eu hier. A tout à l'heure. Allez, donc là on est en pleine séance, hop, de préhension des pinces à linge. Et elle doit descendre, donc rien qu'avec la main gauche, les pinces à linge sur le fil du bas. Voilà. On travaille également donc la mobilité de l'épaule et du bras. Et après, avec la droite, elle les enlèvera, et ainsi de suite. On travaille toutes les amplitudes. Comment ça va? Ça va. Impeccable. Parfait. Et là, donc, comme je vous disais, elle va enlever les pinces et les poser dans la boîte. Elle se débrouille très, très bien. Elle est très appliquée, très concentrée. La consigne est bien assimilée. Inutile de répéter d'ailleurs la consigne. On va voir avec le puzzle là-bas si j'augmente la difficulté. Voilà, ben je vous dis à plus tard. Coucou, allez, je vous refais un petit point. Alors là, il est 15h15. Vous savez que j'adore quand l'horloge est pile poil. C'est bizarre, mais c'est comme ça. De 15h15, je reviens là du taekwondo, puisque du coup, qu'est-ce que j'ai là qui n'importe quoi, mes cheveux, ils partent en cacahuète. Loïc, étant donné qu'il a dû partir au bureau, il est parti bien avant l'heure, donc j'ai amené avec Rebecca Lorena. On y est resté,
Voilà, Rebecca voulait rester. Moi, j'avais les écouteurs de toute façon. Donc, on est resté là-bas et on est revenu. Et là, je sors plus jusqu'à ce soir que je dois aller les chercher puisque Loïc est censé rentrer à l'heure pour les amener à la contrée. Demain, j'ai pas cours de contrée. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. On pourra cuisiner tranquille. J'ai par contre, demain, j'ai la psy. J'ai HelloFresh. Voilà. Et puis voilà. Donc, je voulais vous faire. Je vais vous faire juste le point de vous dire voilà que je me suis installée donc devant des vidéos comme d'hab. Je suis sur mon hiver parce que je vais vous installer à vous sur le mystère pour vous causer. Voilà, j'ai un petit truc à vous raconter. Puis je me dis, c'est l'occasion de vous faire ben, comme la plupart dans les vlogs hein, en activité et je cause. Voilà, donc j'espère juste de ne pas m'embrouiller entre ce que je vais faire et ce que je vais vous dire, mais bon. Ça va être une expérience pour moi comme ça de faire les deux. Donc je vous installe. Je voulais bien sûr vous prévenir avant pour que celles qui ne veulent pas du tout voir l'image, vous ne regardez plus à partir de maintenant et vous faites que m'écouter si jamais. Voilà. Après, je suis sur la page 69 du livre. Je pense enfin, j'ai l'impression que là, beaucoup, on avertit à chaque fois, attention spoil, attention je montre, attention c'est un mystère. Mais j'ai envie de dire au pire. Il y en a qui ne le font pas et je ne sais même pas si vraiment est-ce que ça a de l'importance ou pas pour vous. Je ne sais pas en fait. Parce que c'est vrai que je me dis que, au pire, vous avez vu une image, c'est pas ce qui va vous. Enfin, c'est pas ce qui va vous gâcher le livre. Parce qu'admettons, vous avez le livre vert. Vous n'aimez pas regarder les solutions. Ok. Moi non plus, je n'aime pas regarder les solutions. Mais quand je vois passer dans les coloriages mystères, par exemple, ou les coloriages faits du mystère, ben, je le regarde quand même parce qu'en fait. En soi, je ne mémoriserai pas quelle est la page, dans quel livre. À moins que, comme par hasard, c'est celle que vous êtes en train de faire et que vous ne voulez pas du tout la voir, là, je comprends, hein, si je suis avancée par rapport à au vôtre. Mais sinon, en soi, je ne sais pas si vraiment prendre autant de précautions, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Oui, c'est vraiment gentil, c'est super de me prévenir parce que moi, j'aime pas. Et patata, et patati, et patata. Voilà. Ou alors, si personne ne m'en parle ou ne me dit quoi que ce soit, bah, je partirai du principe qu'en fait, je me casse les pieds à vous prévenir pour rien, quoi, parce qu'en fin de compte, vous en fichez un peu. Si jamais vous êtes comme moi, effectivement, moi, je n'ai pas regardé les solutions. Jusqu'au bout, je ne les regarde pas. Tant pis les couleurs. Voilà, c'est le but du mystère. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des mystères où ben, on voit d'avance ce que c'est. J'allais dire en soi, c'est pas grave. L'idée, c'est de le réaliser, que petit à petit, il apparaisse sous nos yeux. Voilà, c'est ça la beauté d'un mystère. Les couleurs et la manière surtout dont vous le faites, ça apparaît au fur et à mesure. Donc voilà, bref, beaucoup de blabla, juste pour vous prévenir que je vais être sur un mystère. Donc, attention à vous. Allez, c'est parti. Allez, voilà, bon, je vous prends sur un plan large pour comme ça, ben, c'est sûr que vous me voyez faire, que je ne pense pas tout le temps à déplacer le livre ou pas, parce que je risque d'oublier. Alors, ce que je voulais vous raconter, alors il n'y a rien de grave, hein. Pas d'inquiétude, rien de grave, juste je me suis dit que ça pouvait être l'occasion, au lieu de vous le faire en face cam, comme j'ai l'habitude de faire, et qu'après je me dis, zut, t'aurais pu te mettre sur une activité. Ben voilà, là j'y ai pensé. Alors j'ai l'impression quand même que je me suis plantée dans les couleurs. Non, il n'y en a pas un, j'ai l'impression qu'ils sont proches les deux, dis donc. Ouais, bon. Donc en fait, je voulais juste vous expliquer. Ce qui m'a un petit peu fait tilt cette début de semaine, là, ce début de semaine, et que je l'ai dit hier à Loïc, je lui ai dit, écoute, si ça te convient, on va essayer de mettre ça en place. Il m'a dit que oui. Donc, bah, je me dis, autant vous le partager, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous aider dans votre organisation. Donc, en fait, c'est simplement, voilà, vous dire comment, en fait, je m'organise au quotidien pour pouvoir avoir un petit peu le temps. Pour tout. Puisque là, un petit peu moins, mais il y a eu des fois où j'ai eu des commentaires me disant, oh là là, comment tu fais pour tout faire en fait, et, pour être partout, sur tous les fronts et tout. Et c'est vrai que mine de rien, au niveau des coloriages terminés, je fais surtout bon, des mystères, comme vous avez pu le constater. Donc voilà, parce que moi, les mystères, c'est vrai que on va dire que j'en mange. J'en mange à la pelle. Parce que. J'aime bien quand même. Je ne veux pas dire que je les bâcle parce que c'est pas vrai. Je ne les bâcle pas. Mais je les fais de manière quand même simplifiée. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne prends pas le chou. Voilà.
Je ne cherche pas à faire des effets, je ne veux pas faire de la rangée non plus. En toute franchise, si je voulais m'embêter à faire des arrangés, bah, autant que je prenne mes blocs, quoi, hein, pas besoin de m'embêter à suivre des numéros et des couleurs. Quoique, vous me direz, les couleurs étant déjà données, c'est pas bête aussi. Mais bon, bref, c'est pas la question. Voilà, c'était juste pour vous mettre au parfum que, ouais, moi, les mystères, j'adore qu'on me dise les couleurs. Comme ça, j'ai plus qu'à choisir mes couleurs. Et c'est en ça que j'y prends un petit peu je prends un petit peu de temps. C'est dans vraiment quelle gamme j'ai envie d'utiliser cette fois-ci. Quelle couleur ira le mieux? Et c'est vrai que si maintenant vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis à fond dans le crayon aquarellable et je pense que de toute façon, ça restera comme ça. C'est-à-dire que moi, je ferai beaucoup de crayons aquarellables et des feutres. Très peu de crayons classiques. Donc je dirais CDC pour les crayons de couleur classiques. Mais je commence à m'y mettre et je m'aperçois que j'y prends du plaisir. Mais je sais très bien que pour les mystères, non. Ça, je ne le ferai jamais. Parce que rien que déjà, même les crayons aquarellables, pour tout vous dire, des fois, je sature un peu. Parce que je me dis, oh là là, dire qu'il va falloir que j'y repasse avec le pinceau. Donc déjà, vous voyez, rien que ça, je me dis des fois, pff. Mais c'est rare, c'est rare. C'est quand, en fait, vraiment, le colo est très très long et que là, là je l'ai ressenti pour la double page dans le tome 11. Où vraiment le fond, ça commençait vraiment à me casser les pieds, concrètement, entre toutes les petites étoiles à éviter et tout. Et c'était très long, rien que de poser le pigment. Et après, quand je me suis rappelé que j'ai dit, oh mince, il va falloir en plus tu te le retapes pour l'aquareller, là, c'est vrai que, ouais, ça m'a fait râler un petit peu. Mais bon, le résultat était quand même mieux. Moi, je trouve que, je veux dire, dans tous les cas, j'appréciais les feutres, mais c'est vrai. Que depuis que je fais l'aquarellable, eh ben, du coup, je préfère quand même le visuel des crayons aquarellables. Voilà. Parce que vous voyez, même là, ben, je peux faire des effets en fait. Ce que j'aime bien, entre guillemets, c'est que je vous parle que mine de rien, je ne ferai pas de colorangé. Mais de par l'aquarellable, mais comme je peux faire des effets, en plus maintenant je les connais bien, et donc je joue avec l'eau, je joue avec le pinceau, je joue avec le pigment, j'amène le pigment là où je veux. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai fait un effet de mettre du pigment sur l'extérieur. Après, ce n'était pas vraiment voulu. Ça s'est fait comme ça. Et finalement, je me dis, bah, c'est joli. Voilà. Donc, effectivement, c'est le pigment, j'ai déplacé jusqu'à la bordure. Et ça fait un phénomène que j'aime bien. Fait un effet. Voilà. Bref, c'était pas ça. Alors, attendez, je prends ma prochaine couleur, 556. Donc, moi, je voulais surtout vous expliquer comment, en fait, je procède dans la semaine. Donc, pour celles et ceux qui ne suivraient pas mes vlogs ou qui seraient plus au courant de mon planning, je vais vous le redire rapidement. Donc, moi, je travaille le lundi toute la journée, de 9h à 17h. Et le mardi, le mercredi, le vendredi, que le matin jusqu'à midi et demi. Voilà. Ça, c'est mon mi-temps. Voilà. Le matin. C'est Loïc qui amène des filles à l'école. Puisque du coup, il va travailler il passe par là. Et donc, on s'est mis d'accord plus ou moins. Lui, du coup, les amène tous les matins à l'école. Et en fonction de ses horaires, et lui, il ne pourrait pas aller les chercher. Donc, c'est moi qui vais les chercher à l'école. Donc, déjà, à ce niveau-là, chacun a sa part, on va dire. Qui est pratique le matin? C'est qu'une fois que j'ai déjeuné. Alors, en plus, voilà, j'ai une sleeve. Donc, je mange quasiment. Ah, il me faut bien une demi-heure à trois quarts d'heure pour petit déjeuner et attendre un petit peu avant de me remuer. Donc, je déjeune. En déjeunant le matin, jusqu'à ce qu'il parte, je lis. Donc là, en fait, je me suis mise sur 16 lunes. Vous savez, il y avait un film qui avait été fait Sublime Créature. Voilà. J'espérais, lamentablement, apparemment, qu'il fasse la suite. Ça n'est jamais arrivé. Donc, comme à l'époque, on était abonné à France Loisirs, Loïc avait acheté ben, tous les livres. Enfin, je crois qu'il a pris toute la collection. Bref, je sais que j'ai du 16, 17, 18, 19. Est-ce qu'après, il y en a? Je ne sais pas. D'ailleurs, s'il y en a qui le savent, dites-moi. Mais en tout cas, j'ai jusqu'aux 19 lunes, je crois. Bref, j'en suis qu'au premier, hein, 16 lunes. Donc, j'ai le temps. Il faut dire que c'est quand même ben, un sacré bébé, hein, voilà, ce livre-là. Donc, tous les matins, plus ou moins, en fonction du chapitre, je vais faire un chapitre, voire une moitié de chapitre.
Voilà. Une fois qu'ils s'en vont, donc là, moi, en général, il me reste ma boisson. Je m'embarque donc ma boisson et je m'en viens ici à mon bureau. Et là, je colo jusqu'à ce que je parte au travail. Donc, à peu près une bonne grosse demi-heure, on va dire. Et souvent, c'est sur ce temps-là où, non, moi, je n'aime pas me mettre sur des les colos qui me demandent un peu réflexion, que ce soit les hors Disney ou les libres Disney, je n'ai pas envie de, voilà, de, en fait, de perdre ma demi-heure à chercher les couleurs ou à me dire qu'est-ce que tu vas faire. Donc, en fait, c'est déjà tout pris. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai plus ou moins un mystère en cours pour faire le matin. Voilà. Comme ça, j'ai pas à me casser la nénette vu que j'ai déjà toutes mes couleurs et tout. Je viens directement, je m'allume ma tablette et je fais. Alors souvent, c'est une couleur, voire deux si il y en a une où je devais juste l'aquareller et j'ai le temps de passer l'autre. Voilà. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est déjà ça de pris au niveau timing. Donc ça, c'est tout les matins où je travaille. D'accord ? Donc on va dire, si on compte aller, en fonction des jours où ça peut fluctuer, une demi-heure. Donc 30 minutes, 4 jours. Donc on est déjà sur 2 heures. D'accord ? 2 heures de temps colo le matin. Avec bien sûr les 4 matins aussi ma lecture. Ensuite, vu que j'ai là, entre guillemets, la chance, parce que bon, ça s'est voulu comme ça et que mon poste est à mi-temps, je ne travaille pas l'autre mi-temps. Enfin, je ne travaille plus. Après, là, je suis quand même en libéral, donc selon mes demandes ou voilà ou selon les missions que j'ai, je vais être amené à travailler, mais bon, c'est pas du régulier. Donc on va partir sur quelque chose de régulier, c'est plus ou moins que donc je travaille pas. Et c'est vrai que là, bon, j'ai mes après-midi. C'est là où ben, je profite comme aujourd'hui pour vous faire un blabla colo. Ou alors faire du montage. Voilà. Bon, en plus, bien sûr, ce que je ne vous dis pas, c'est que quand même, sur tout le temps comme ça que j'ai de libre à la maison, je fais le linge, je fais l'aspirateur, on va ranger la maison, enfin voilà. Tout ça, ça se fait bien sûr. Et là, je ne vous parle que des temps d'activité. Donc, en fonction des jours, il y aura effectivement plus ou moins du temps d'activité. Si j'ai une machine ou pas à éteindre, si là, cette fois-ci, ben, j'avais, je ne sais pas, moi, le lave-vaisselle à débarrasser, s'il y avait un peu d'aspiro à faire ou quelque chose voilà, à ranger, bref, ça va vraiment fluctuer, mais on va dire qu'en général, oh, j'ai quand même dans mes après-midi du temps colo. Là, c'est pareil, on est quand même sur, on va dire, 3 bonnes demi-journées. Pourquoi ? Parce que le mercredi, même si oui, j'ai du temps colo, le mercredi, je suis entrecoupée par les activités des filles. Voilà. Mais c'est vrai que là, bon, j'ai du temps colo. Et ensuite, le soir. Alors, quand je vous dis du temps colo, c'est oui, le matin, ça va être vraiment temps colo. Les après-midi, comme je vous dis, je parle de temps colo, mais ça peut tout aussi bien être du DP si j'ai envie de faire un DP, un sticker DP ou du puzzle. Hein, c'est vraiment toute activité confondue ou des fois du panini. Puis je vous fais des séquences de vlog. Voilà, ça va être vraiment, c'est ma disponibilité, on va dire, à ce niveau-là. Sinon, le soir, le rituel tout le temps, c'est je vais chercher les filles. Donc, je suis obligée d'attendre 18h puisqu'elles ont des activités périscolaires. Oh, attendez, si je prends pas de crayon, je vais pas y arriver. On va être sur quoi ? Je vais essayer de faire le 4, 177. Alors après, là, c'est marron, c'est pareil. Moi, j'ai pris en fonction de mon nuancier. Si c'est pas exactement les mêmes, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis que je regarde pas les solutions. Je fais au mieux. Puis après, le rendu, il saura ce qui sera. Donc, le soir, une fois que j'ai récupéré les filles, on rentre. C'est priorité au devoir. Elles s'installent pour faire les devoirs. Pendant qu'elles font les devoirs, comme maintenant j'ai la table qui est dégagée, et puis Lorena a pris le pli, je sais pas, elle adore se mettre au petit bureau noir qu'on est toujours en attente de vendre, mais bon. Bref, donc elles se mettent là, et du coup, ben, qu'est-ce que je fais moi? Elles sont là, vous vous doutez bien que je me mets à mon bureau, et je colo un petit peu le temps de faire les devoirs, puisque c'est beaucoup à l'oral, des récitations, des conjugaisons, voilà. Ou sinon, c'est des exercices de maths, elle fait sur le cahier, et elle me l'amène et je corrige, voilà. Donc en gros, on fait les devoirs, je les surveille et j'avance encore un petit peu, souvent, mes mystères. Ça, c'est pas compliqué, c'est toujours en place, c'est sur mon bureau. Et une fois que les devoirs sont finis, elles s'en vont se laver. Et moi, je m'attaque, vu que Loïc est censé être rentré, je m'attaque au repas. Voilà.
Après, bien sûr, on mange, tout ça, on regarde la télé, pas tant qu'on fait. Et là, une fois que les filles sont couchées, ben c'est nos soirées dispo également. Donc, vous voyez que mine de rien, j'ai quand même assez de temps pour m'organiser et faire du colo. Mais, vous le savez, je ne fais pas que du colo. Et il s'avère qu'en ce moment, ça m'agace un peu. Parce que, effectivement, j'ai très, très, très envie, mais ça ne me quitte pas, de toute façon. Hein, donc, le colo est ancré, ça, c'est sûr. Mais j'ai également des envies de voir avancer mes autres activités. J'ai mes DP, j'ai ma broderie, j'ai les paninis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les puzzles, oui, j'ai les puzzles. Donc, à un moment donné, effectivement, notre temps n'est pas extensible, il faut faire des choix. Et souvent, bon, ben, on a tendance à quand même facilement, voilà, tout comme moi, j'aurais tendance à facilement me mettre soit au colo ou alors à réfléchir pendant des heures. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais c'est atroce. C'est atroce. Donc, ce que j'ai décidé pour les soirées, alors vous avez compris, on ne touche pas à ce qui est le matin, tout ça, ça c'est calé. J'ai mon temps lecture, on est nickel. J'ai mon temps colo dans la journée ou DP ou puzzle, on est nickel. Par contre, c'était plus le temps broderie et surtout séries télé et films. Ça fait un petit moment que je n'y arrive plus. Parce que ben, quand je suis ici, c'est vrai que j'ai tendance à mettre plutôt YouTube. Mais surtout parce que ben, séries télé et films, ben, c'est à faire avec Loïc. Donc je ne vais pas avancer moi les trucs. J'ai des séries que je vais faire toute seule. Mais bon, voilà, ça, il faut que je m'installe l'application sur la tablette et tout. Donc, mais ça va se faire. Du coup, il m'est venu une idée pour pouvoir allier un petit peu plus l'activité broderie, ce qui me va très bien avec la série télé et les films, parce que ça ne me demande pas autant de... Alors si, concentration un petit peu quand même, mais en tout cas, une fois que j'ai regardé ce que je dois faire et tout, voilà, après c'est facile à faire devant la télé. Et surtout, 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 c'est très simple à déplacer, parce que j'ai dit à Loïc que je ne veux plus déplacer que ce soit des gros colos ou que ce soit... du DP parce que ça c'est trop cher. Donc ça reste en place, le DP ça restera en place sur mon bureau, les gros colos aussi. Bon, après quand c'est des colos mystères, ça va, c'est pas trop compliqué, je prends mon livre, je prends ma trousse, ça encore ça peut le faire. Mais priorité ce sera la broderie et on fera donc 2 soirs par semaine films et séries. Comme ça on est bon. Le lundi soir il joue avec ses copains, moi du coup je suis ici, je peux faire ce que je veux. Je fais toujours ce que je veux, mais je m'entends. C'est-à-dire qu'ici, je peux faire soit DP, soit... voilà, je suis en place. Le mardi soir, eh ben, c'est notre soirée où on va avancer des séries et des films. Et là, je m'embarquerai broderie ou petit mystère, selon où j'en suis, si je veux le finir ou quoi. Ou comme hier, eh ben, c'était points à relier. Ça aussi, c'est des activités que je ne vous ai pas dit, mais points à relier, cartes à gratter. Tout ça, c'est des choses que je laisse trop de côté parce que ben, je ne prends pas le temps de me poser dessus. Donc ce sera le mardi soir. Voilà, le mardi soir, je vais essayer quand même de ne pas faire colo et d'alterner entre broderie, point à relier ou carte à gratter. Le mercredi, ben, c'est le live. Loïc lui fait ce qu'il veut, il joue à l'ordinateur. Voilà, il a sa soirée, on va dire. Et moi, de toute façon, le live, ben, pour l'instant, je vous fais du colo. Je verrai si à un moment donné, je change. Pour l'instant, colo. Et le jeudi soir, ben, du coup, c'est à nouveau un soir où avec Loïc, on peut... se faire une soirée à nous parce qu'au départ ça avait été le jeudi soir surtout choisi par rapport au fait que j'ai la danse. Voilà, comme j'ai la danse et que j'arrive assez tard, 9h30 je dirais, ouais. Et que Loïc m'attend pour manger, ben après en fin de compte la soirée voilà elle est bien entamée, le temps qu'on mange il est 10h, 10h30. Bon, mais j'ai envie de vous dire, voilà, pour 2 heures de soirée on avait décidé de se la réserver. Mais c'est pas plus mal, on aura mardi et jeudi. Et comme ça, le jeudi, effectivement, je continue devant série, film, je continue broderie ou point relié. Et comme ça, je me dis que j'ai beaucoup plus de créneaux pour les activités variées. Enfin, pour varier les activités plutôt. C'est plus français. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons essayer de maintenir. On a commencé cette semaine, mais de toute façon, la semaine prochaine, vu que je suis pas là, c'est réglé. Et sinon, donc début juin, voilà, on met en place, enfin, je mets en place, parce que Loïc lui s'en fiche, il m'a dit, ben oui, ok. Ça l'arrange d'un côté, il me dit, ben oui, parce que comme ça, ben déjà, on passera quand même
un peu de temps tous les deux et surtout qu'on pourra avancer quand même les séries. Voilà, bien sûr, on a tous des vies différentes. On a toutes des manières aussi de voir nos activités. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit blabla là-dessus, vous raconter ce qu'il en est comme projet, voilà, et voir ce que ça donne. Si, justement, à la fin du mois, est-ce que je vais pouvoir vous présenter autre chose que du colo dans mes plaisirs terminés. Parce que peut-être qu'il y aura un petit peu plus, en tout cas, de choses de réaliser. Voilà. Donc, c'est vrai que là, pour le mois de mai, j'ai fait quasiment toute une semaine full DP. Donc, je peux déjà vous dire qu'il y aura un DP de fini sur ce mois de mai. Un petit, c'est rien d'énorme. De toute façon, vous l'avez vu dans les vlogs. Si vous suivez tous mes vlogs, normalement. Ah ben, c'est cette semaine, je suis bête. Ben oui. Donc, je suis perdue, moi. Donc, ben, vous l'avez vu dans ce vlog. Le DP fini. Peut-être que d'ici la fin de mai, là, je vais me faire autre chose. Je vais voir si je m'en ouvre un autre. Et après, ce sera surtout juin qui va être plus ou moins significatif. Que ce soit en nombre de colo et d'autres activités. En fait. Voilà. C'est surtout sur ça que j'attends de voir si avec cette nouvelle organisation, j'avance un petit peu plus les autres activités pour équilibrer plus ou moins. Voilà. Je ne comprends pas trop. Ah, mais ça a l'air d'être une porte. Est-ce qu'il y a d'autres numéros 4? Il faut que j'aiguise. Donc, c'était... voilà. C'est une idée que j'ai eue. Enfin, une idée. C'est par rapport aussi à notre mode de vie que j'ai dit, mais oui, évidemment. Parce qu'à un moment donné, là, en fait, il s'est trouvé que, ben, oui, qu'on avait avancé des séries, puis on ne trouvait jamais le temps pour les finir. Bon. Et la dernière fois, je me dis, attends, je suis à fond dans le TP, là, donc je m'installe et tout. Et en fait, ça m'a gonflé de devoir tout déplacer. Tous les trucs que j'avais mis en place et tout. Oh, j'ai dit non. Et alors, je lui dis, ouais, mais tu vois, ça m'embête parce que pour venir suivre des séries avec toi, il faut que je me déplace toujours tout, alors que là-bas, tout est en place et tout. Et c'est là où il m'a dit, oui, mais écoute, il faut bien aussi qu'on avance un peu. Alors, je lui dis, ben oui, mais il faut que j'arrive à m'organiser différemment. Et ça m'a fait titre. Je lui dis, ben en fait, il suffit juste que ben, pour le salon, je ne fais pas d'épée colo. Ce sera autre activité. Voilà. Et hier, donc, ça a été plus ou moins notre première soirée d'essai. Bon, comme j'avais pas forcément envie, parce que la broderie que je suis en train de faire, c'est mon marque-page, là. Ça me demande quand même de la réflexion, parce que ben, je me suis plantée plusieurs fois. Et donc là, j'ai pas envie de le rebousiller. Donc, je me suis dit, non, tu vas pas prendre ça pour faire la première soirée test, entre guillemets. Donc, j'ai pris des points à relier. Ben, écoutez, j'en ai fait deux. Deux points à relier dans la soirée. Parce qu'en plus, vu qu'on est sur des séries et des films que je connais pas, forcément, il me faut des choses où j'ai pas besoin d'être trop focus parce que je bug déjà devant la télé, quoi. Donc ça a été quand même assez productif. Et comme a dit Loïc, en plus, on a donc terminé Sandman, parce qu'il nous restait deux épisodes. Donc, on a terminé Sandman. On n'a pas compris le dernier épisode. L'épisode 10, pour moi, clôturait plus ou moins la série, enfin la saison de la série. Avec éventuellement, effectivement, on sait qu'il va y avoir une saison 2, de toute façon. Et le 11, on n'a pas compris avec Loïc. Alors, je dis peut-être c'est pour faire un petit truc en plus, mais qui est à part de l'histoire de base, quoi. De l'histoire principale. Il me dit, ouais, peut-être. Bon. Et après, on a fini, bien sûr, Bridgerton. Il nous manquait un épisode. Je voulais me le garder pour juin, quand il y aura le deuxième partie. Mais bon, on m'a convaincu. On m'a dit, ah ouais, mais non, c'est dommage que tu ne le regardes pas et tout. Donc, bon, je l'ai fait. Et c'est vrai que... Bon, d'un côté, ça me frustre quand même parce qu'il faut que j'attende du coup. Mais ouais, il était pas mal. Il fallait le voir, effectivement. Donc, on a fini ça. Et puis après, bon, on verra. On a plein d'autres séries en attente. J'ai plein d'envies de films aussi. Bon, après, le truc, c'est qu'il faudrait que je fasse une liste avec Loïc des films qu'il ne veut pas vraiment voir. Parce que moi, j'ai mis plein de listes sur Netflix en favori. Et le problème, c'est que comme je ne sais pas lesquels vraiment il veut voir ou pas, bon, mais moi, j'ose pas trop les regarder. Et comme à chaque fois, quand il les voit, il me dit, bon, mais t'es sûr, je m'en fous. Oh, mais je me dis qu'il veut peut-être les voir. Bref, là, hier, il m'a dit, oh, non, mais il y en a certains, laisse tomber, j'ai pas envie de les voir, donc tu peux les voir seul. Ah oui, mais il va falloir me dire lesquels, mon gars. Hein. Parce que bon, il y a des fois oui, des fois non, là, parce qu'il en a un peu marre de Marvel. Voilà. Marvel, il me dit, il commence à me casser les pieds parce que du coup, ils en ont fait beaucoup trop. Et puis, il y a trop de séries qu'il faut voir entre les films pour plus ou moins tout comprendre. Et il me dit, ça me gonfle, j'aime pas ça. Bref.
Moi, ça fait un petit moment que je voulais voir Black Adam. Après, il y a les Mrs. Marvel qui sont sorties là, mais effectivement, moi, j'ai pas vu les séries, donc il faudrait que je me voie les séries aussi. Bon, mais sur le coup, je dis, ah, ok. Je dis, bon, ben alors Deadpool 3, là, Wolverine qui va sortir, là, tu t'en fous aussi. Ah non, celui-là, je veux le voir. Ouais, je dis, ben tu vois, il faut quand même, il faut quand même que je te demande un, parce que s'il y en a. Bon, après, moi, je vous dirai, d'un côté, je m'en fous. C'est-à-dire, s'il y en a un que j'ai vu, et qu'au pire, il me dit, ah, mais t'es, on regarde celui-là, ben, je lui dirai pas forcément que je l'ai déjà vu. Parce que comme ça, ce qui m'arrange, c'est que je buggerai moins devant le film et j'avancerai mieux mon activité. Vous voyez? Ça aussi, ça peut être une astuce. Si des fois vous êtes. Je sais que je l'ai déjà fait plusieurs fois de voir des films en avance. Enfin, en avance, quand j'avais de la dispo, ouais, surtout. Et qu'après, ben, soit il est super, puis je dis à Loïc, ah ben si, il faut que tu le vois et tout, donc je le remets pour lui. Ou même lui qui voulait le voir. Et ça, par contre, c'est top parce que quand vous. Enfin, si vous êtes comme moi à bugger sur les films que vous ne connaissez pas, hein, eh ben, du coup, ça c'est top parce que vous n'avez pas à bugger puisque vous avez déjà vu. Alors, je buggerai toujours un peu parce que si je l'ai vu qu'une fois et que c'est frais, voilà, j'aurais besoin de. Mais pas autant que quand c'est la première fois. Et donc, je sais que je serai plus disponible pour avancer mon activité. Parce que je suis sur le sourcil, c'est une affaire délicate. Même si après, il y a le numéro 1 en noir qui va venir, que je déborde pas de trop. Voilà, mais écoutez. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous causer. Dites-moi si vous avez une autre petite organisation comme ça. Alors oui, pour certaines qui ne sont pas du tout organisées, ça peut vous paraître peut-être un petit peu psychorigide. Bon, mais après, moi, je suis psychorigide. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, et ben voilà, c'est comme ça, hein, et ça m'aide. En fait, ça m'aide, ce cadre, on va dire, cette organisation me permet d'avoir quelque chose quand même de régulier, de rassurant. Au niveau timing, je sais que tout rentre et ça m'apaise. Voilà. D'avoir ma dose de colo, ça m'apaise. Comme ça, je sais que tous les jours, ben, j'ai ma dose de colo. Il y a eu des fois, je ne sais plus, ben, parce que Loïc, par exemple, ne pouvait pas amener les filles parce qu'il partait plus tôt ou quoi. Il y a eu des fois où, du coup, ben, quand c'est moi qui dois les amener, ben, forcément, je pars, on va dire, moi, bien 20 minutes avant mon heure. C'est 20 minutes à moins de mon colo. Et je le ressens. Je le ressens parce que du coup, je. Alors, je suis pas énervée parce que je dois amener mes filles. Ça reste mes filles et que bien sûr, il faut que je les amène à l'école. Mais j'ai une part de frustration un peu. Je me dis, ouais, mince. Ah, il m'enlève mes 20 minutes de colo. Vous voyez un peu l'idée? Après, c'est pas grave en soi. Il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que je m'en suis aperçue que j'ai besoin de cette dose. Voilà. Et la dose, c'est au moins 30 minutes le matin. Voilà. Après, je sais que certains d'entre vous sont un petit peu comme moi. Hein. Il y a des choses qui se sont mises en place, des entre guillemets rituels. Et du coup, ça nous permet comme ça d'avoir des petits temps dès qu'on peut. Parce que mine de rien, c'est vrai. Moi, ça y est, j'ai un peu la chance que elles sont autonomes, elles sont assez grandes. Quand je leur dis, allez vous laver, ben, j'ai pas besoin d'y aller. C'est sûr que si on a des bébés, bon, ben, on est obligé d'aller leur faire le bain. Puis du coup, après le bain, ben, il faut s'attaquer au repas. Et ça fait d'autant de temps à pas être sur son colo, quoi. Hein? Après, à parler comme ça, j'ai l'impression que je vous parle d'une drogue, mais c'est presque ça, mais bon. Non, mais le truc, c'est ça, c'est que je n'ai vraiment pas besoin d'être à la douche avec elle, quoi. Donc, pendant que je leur dis, allez prendre votre douche et mettez-vous en pyjama, on va dire que sur cette demi-heure-là, parce que les deux, ça fait bien une demi-heure, moi, je fais le repas. Donc, une fois que le repas est prêt, on mange. Une fois qu'elles ont mangé, alors, si ce n'est pas 9h, on finalise ce qu'on est en train de regarder. Sinon, 9h, elles vont au lit. Moi, bon, je glandouille un peu, puisque j'ai besoin pour ma digestion d'attendre un petit peu. Si je me remue trop vite, j'ai le hoquet ou je peux vomir. Donc, voilà, j'attends. Et puis, ensuite, j'ai la soirée, quoi, on va dire. Voilà. En plus, comme elles sont grandes, elles préparent aussi leurs affaires pour le lendemain. Bon, on vérifie juste que ce soit pas trop sale et qu'elle pense à se changer, mais sinon. Sinon, voilà. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est devenu de plus en plus facile. Ah, j'ai oublié du F. Ah non, ça, il faut que je le fasse dessus. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça parce que je n'ai plus grand-chose à vous raconter. Je pourrais effectivement vous parler là de Sandman et des chroniques de Bridgerton, mais en fait, je ne sais pas faire sans risquer de spoiler. Donc, je préfère ne rien dire. Juste, moi j'adore, c'est génial. Alors, autant Sandman, c'est vrai que c'est particulier, mais j'apprécie.
Vraiment, de me poser toutes ces questions, en fait, c'est très, j'allais dire dérangeant, oui et non. C'est surtout perturbant, la réflexion que ça nous, en fait, que ça nous pousse à avoir. Voilà, je ne sais pas si c'est français, si vous comprenez, mais en gros, de par bon, l'histoire, les phénomènes et ce qu'ils représentent, hein, ben, ça me fait quand même réfléchir sur éventuellement toutes les, bon, on va dire, les croyances à ce niveau-là de tout ce qui est un peu fantastique, parce que mine de rien, au fur et à mesure des séries et du temps qui passe, on est quand même toujours sur les mêmes schémas. On sait que voilà, les vampires, bon, à la base, ils sont pas censés être diurnes, hein, donc ils sont censés vivre que la nuit, qu'il n'y a pas le reflet dans le miroir, que ceci, que cela. Enfin, vous voyez ces concepts-là, que Lucifer, donc Lucifer a été plus ou moins, entre guillemets, banni pour du coup gérer l'enfer. Et qu'il a un bras droit, c'est Maisie King, voilà. Donc ça, par exemple, si vous avez vu la série de Lucifer, ben il y a Maisie, voilà, qui est Maisie King, qui effectivement est un démon avec une moitié de visage, plus ou moins, si on peut dire. Et là, ce qui est rigolo dans Sandman, voilà, petit spoil, attention, si jamais vous voulez le voir, n'écoutez pas à ce moment-là. Mais effectivement, quand Rêve va voir Lucifer. Ben on retrouve Maisie King. Et voilà, c'est là où je vous dis qu'il y a les codes. Et voilà, les codes du fantastique qui sont maintenus. Et moi, c'est ce que j'apprécie. C'est-à-dire que, bon, ça peut toujours s'expliquer. Vous me direz le côté des fois des vampires diurnes parce que c'est mêlé avec du sang vampire et humain. Mais bon, à la base, comme un vampire n'est pas censé engendrer de progéniture, bon, voilà, il y a toujours des choses qui font que ça explique, hein, dans les séries. Mais j'aime bien, voilà, quand même, quand il garde les concepts de base. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça sur Sandman. C'est dans ce sens-là un petit peu. C'est très psycho, c'est très. Ouais, réflexion sur les rêves, les songes, les différents mondes, voilà. Et Bridgerton, si vous ne connaissez pas, là, on est plutôt sur le temps à l'époque, sur les bonnes les familles, la classe sociale élevée. Avec ce principe de quand les filles sont en âge d'eux, elles se font courtiser, voilà. Et donc elles sont censées se montrer sous leur meilleur jour, avec leur meilleur apparat de, voilà, de bonne famille pour pouvoir attirer, on va dire, un bon parti et espérer avoir dans l'année de leur saison, donc après ça dépend si c'est du 15, 16, 17, je sais plus quel âge c'est, bref, espérer avoir une demande de mariage, voilà. Avec toutes les conventions qui se veulent bien sûr, comme par exemple les chaperons. Voilà, les chaperons. Si jamais il y a deux jeunes qui se. Enfin, un homme et une femme viennent. Ou l'homme vient embrasser la jeune fille et qu'il n'y avait pas de chaperon. Et puis de toute façon, apparemment, ils ne sont pas censés embrasser tant qu'ils ne sont pas destinés et qu'ils ne se sont pas promis l'un à l'autre. Voilà, je cherche les mots parce que du coup, c'est des mots très particuliers. À cette époque, ben, par exemple, voilà, ils sont censés se marier. En fait, c'est une obligation parce que du coup, l'homme a entre guillemets sali la jeune fille, voilà, du fait de l'avoir embrassée hors cadre du mariage. Bref, mis à part toutes ces conventions, ces convenances, aristo, machin et tout, il y a du cucu, si je puis dire, surtout dans la première saison. La deuxième aussi, il y en a quand même. Pas de la même manière, mais il y en a. Là, la troisième, on est beaucoup plus sur tout ce qui est un peu quand même romantique. Ça fait du bien, mais ouais, c'est très, très, très. Ouais. Les romances, quoi. Mais bon, c'est ce que moi j'apprécie beaucoup. Là, j'ai vu que j'avais oublié du B. Le B, c'est le 154 que j'ai déjà fait. Ouais, alors ça, c'est pareil. Quand, du coup, je fais des couleurs. J'aime être plus ou moins être sûr que j'ai fini la couleur. Donc, quand je revois un numéro. De suite, je tarde pas à le faire. Comme ça, au moins, je l'oublie pas. Voilà, en tout cas, j'espère que pour ceux qui, au pire, ont regardé comment je faisais, ben, ça vous a indiqué hein, plus ou moins mes pratiques au crayon aquarellable. C'est 8 ou B, ça c'est chiant. Hein. J'espère que dans les suivants, j'ai pas trop regardé, mais le B et le 8, ils arrêtaient hein, parce que c'est trop ressemblant. Faut vraiment qu'ils fassent attention à ça, aux troubles visuels et à ces petites touches là que. On ne peut pas mettre n'importe quelle lettre quand c'est petit. Le 9 et le G, par exemple. Le G minuscule, heureusement, c'est des majuscules qui nous mettent, mais ça aurait été perturbant. Voilà, sinon, c'est vrai que des fois, le 1 et le 7 aussi, oh là là, qu'est-ce que je galère sur certains à
déterminer si c'est un gars ou un 7. C'est incroyable. Allez, bah écoutez, je vais vous couper la séquence. J'espère du coup que bon, ce petit moment changera un petit peu par rapport à ce que j'ai tendance à faire dans les vlogs. Je me dis que j'ai envie d'être beaucoup plus quand même sur de l'activité. Alors oui, je continuerai à vous faire du vlog avec du blabla plus que des activités parce que on va dire que chez moi, c'est un petit peu plus inné d'être face cam, à vous causer de ce qui se passe plutôt que de vous poser sur une activité. Mais de temps en temps, si j'y pense, comme ça, vous faire la causette en faisant quelque chose. Et puis moi, mine de rien, j'avance aussi parce que on est quasiment sur, on va dire, une bonne 40 minutes de blabla. Et j'ai avancé. Donc voilà, c'était pour que vous ayez une info sur mon organisation. Dites-moi si vous trouvez... Que c'est une bonne idée, que est-ce que ça vous donne envie d'essayer vous-même de vous organiser plus de temps comme ça au quotidien, si vous êtes assez routinier dans la semaine, est-ce que voilà, vous allez essayer de voir pour vous dégager du temps ou pas, est-ce que vous allez essayer de, si vous avez plusieurs activités, justement comme moi, de trouver du temps pour chaque activité, essayez de voir si vous tenez la distance, si jamais vous y arrivez ou pas. Enfin, n'hésitez pas en commentaire. Causons, discutons. Voilà. Après, si vous voulez vraiment qu'on en parle en direct, que c'est plus simple pour vous que d'écrire et tout, n'hésitez pas à venir le mercredi soir sur mes lives. Comme ça, on discute de tout et de rien. Des sujets du moment. Allez, je vous laisse. Je vais peut-être... je sais pas si je continue. Ah oui, je voulais vous montrer. Ben non, mais je voulais montrer ce matin. Oui, mon kawaii dark. Je vais peut-être me stopper là pour lui. Parce que, comme je vous ai dit, les mystères, je les garde plutôt pour les matins ou les soirs où les temps sont un petit peu creux où il faut aller vite. J'ai vraiment le temps. Je préfère faire les colos plus complexes. Donc, ouais, je vais finir l'autre, là, le kawaii dark. Et puis ensuite... ouais, j'ai pas besoin de bouger, donc ça, c'est top. Bon, allez, écoutez. Je vous dis donc un petit peu plus tard pour la suite. Allez, je vous reprends. Il est quasiment 6 heures. Alors, j'ai fini mon kawaii dark. Je l'ai envoyé à Bulle d'Arc-en-Ciel. Je verrai si elle valide ou pas. Moi, en tout cas, ça valide la catégorie du titre avec kawaii dark. Là, je me suis dit, parce que du coup, comme j'ai fait au feutre à alcool, j'avais grave envie de continuer avec les feutres à alcool. Et j'ai pensé que j'avais le carré cute mandala. Je me suis dit, est-ce que tu ferais pas un petit mandala et tout? Et puis, en regardant mes carrés, j'ai dit, oh, et si tu avançais un peu tes whips? Parce que bientôt, il va falloir que je fasse le challenge des whips. Et je ne suis pas certaine d'en avoir fait beaucoup. Et puis, j'aimerais surtout ne plus trop en avoir, en fait, des whips. Donc les whips, c'est les encours en français. Donc, mon objectif étant de diminuer plus mes encours, j'ai dit, allez, va plutôt, essaye d'avancer tes encours. Alors, c'est ce qui est prévu déjà pour le live ce soir, de faire des encours. Mais je vais refaire un petit timbre, je pense, dans mes mondes de rêver. Même si lui, je ne suis pas sûre qu'il est comptabilisé comme un encours, en fait. Ouais, mais bon, de toute façon, c'est une expérience intéressante. Bref. Donc là, j'ai pris le à table et que j'ai un encours mais super long de coco. Voilà. Alors, je suis allée fouiner un petit peu comme disent certaines, parce que ça me sert de regarder des vidéos. Oui, de faire le hashtag, d'aller chercher des idées, de s'inspirer. Pinterest. Ouais, sauf que Pinterest, quand je tape coloriage coco, enfin, ils y sont, mais ils sont pas faits. Voilà. Quand je mets le livre à table ou carré à table ou... Enfin bref, c'est de la bouffe que j'ai. Donc c'est compliqué pour Pinterest de trouver. J'ai pas envie de passer tout mon temps à chercher. Sur le Instagram, le hashtag, ouais, il y en avait une personne qui l'a fait. Et bon, bah, elle a fait ouais, à peu près quoi, je veux dire. Donc j'ai décidé de faire vraiment... J'ai du mal en fait à lire. Voilà, j'ai du mal à lire ce que c'est. Mais tant pis, je vais faire mon appréciation. C'est-à-dire que là, sous les rouleaux, là, ces rouleaux, là, qu'on dirait des sortes de cannelloni, empanadas, je ne sais pas trop. Ben, je suppose que c'est de la salade. Donc, je vais faire de la salade, puis il y a l'assiette. En fait, je me suis dit, fais les éléments déjà qui te semblent évidents.
Et petit à petit, ça va te permettre d'y voir plus clair. Déjà, je peux faire coco. Lui, évacué. Je peux faire le fond. En même temps, je ne sais pas trop de quelle couleur je ferai le fond. Mais bon, enfin, bref. Voilà. Je peux faire les assiettes. Donc, effectivement, là, je vais dire que c'est des cannelloni en panadas. Donc, je mettrai de la sauce tomate, des crispy oignons. Enfin, vous voyez, côté un peu doré. Donc, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Et je me dis, dans un premier temps, feutre à alcool, si je peux, pour dégrossir. Voilà. Là, c'est un petit marron ou un pâtisson. Je ne sais plus comment on dit. Bref, je regarderai. Ce qui me perturbe beaucoup, c'est ça, là, cette forme. J'ai l'impression que c'est une sorte de poule éventrée. Mais non, parce qu'il y a de la fumée. Je sais pas si c'est du pain, une poule éventrée. Ou qu'est-ce que... En fait, je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que ça pourrait être? On dirait que c'est un truc fourré. Ou une sorte de chausson. Je ne sais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est pas grave, on va rester sur des couleurs neutres, de patates, de courges, voilà, de pain qui aurait cuit. Puis voilà. Mais j'ai envie de le finir, celui-là, il me sort par les trous de nez, en fait. Et à cause de lui, je ne retourne pas dans ce bouquin parce que je me dis non, si tu commences autre chose. Alors que... Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par lui, parce qu'en fin de compte, c'est pas si évident que ça à le lire. Les autres sont tellement plus simples à lire. Ouais. C'est incroyable. Là, quand je regarde, j'ai envie d'y aller. Mais je dois finir celui-là. Sinon, c'est pas... Sinon, il ne sera jamais fini. Donc, voilà, c'était pour vous dire ça. Allez, je vous reprends après le live. Enfin, ça fait un petit moment que je l'ai arrêté, mais du coup, j'ai voulu avancer un petit peu plus. Là, je vais aller me coucher. Il est 1h du matin. Donc, ce qu'on a fait au live ce soir, enfin, ce que j'ai fait pendant le live, donc un encours dans celui-là, qui n'est à la base pas mon encours, c'était le flamant rose commencé par le vendeur, je suppose. Mais bon, c'était un simple aplat rose, je me suis dit, pourquoi pas? Flamant rose, il est rose, on est dans la logique que j'aime bien, voilà. J'ai choisi une petite palette, voilà, celle-là. Je voulais partir sur le rose et j'aime beaucoup, voilà. Alors, c'est rigolo parce que quand je filmais au niveau du live, ça se faisait bleu. Et là, vous avez vraiment le vert, j'ai l'impression. Donc, c'est nickel, bref. Voilà la palette et voilà où je suis. C'est sympa, ça se veut tout doux. Je trouve que c'est tout doux, c'est tout pastel. Alors, c'est au Derwent Intense et à la Brèche Dureur. J'ai pris deux gammes. Voilà, regardez ça. Nickel. Verrai après ce que je fais avec le flamant rose si je lui mets du stylo gel pour faire ressortir les espèces d'arabesques qu'il a sur lui. Voilà. Après, en fonction des fleurs, ben, je suis un peu les pointillés de Rita Berman et puis voilà, j'aquarelle en fonction. Donc, là je vais au dodo, je vais laisser sécher, donc je vais le laisser ouvert. Sinon, comme je vous disais, donc j'ai fini dans le carré à table également. Oui, enfin je l'ai presque fini, il me manque juste quelques finitions. Demain je m'y attaque. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toujours mon mystère hiver. Voilà. Et on est pas mal quand même. On est pas mal, hein. On est bien même. Voilà. Donc ça c'est les crayons. Pour mon encours du flamant rose, j'ai pris maintenant le pli de les mettre dans juste ce meuble-là. Ça me sert bien. Et puis je voulais vous dire donc bonne nuit et à de suite pour vous. Allez, ça y est, je vous reprends jeudi 23 mai. On est dans l'après-midi. Voilà, j'ai pas fait énormément de choses ce matin puisque j'avais mon rendez-vous psy après. Bon, mais pour le coup, j'ai beaucoup discuté. Voilà. Mais j'ai avancé un petit peu mon mystère. Donc, toujours dans le hiver. Toujours la même rengaine. Fermez les yeux. 1, 2, 3. Hop, voilà. Donc, j'en suis là. Écoutez, je ne sais pas qui c'est. Après, moi, je ne connais pas trop les Disney avec Mickey, tout ça. Ou peut-être c'est Basile Détective. Ou peut-être c'est, je ne sais pas, dans une. La Belle et le Clochard, j'en sais rien, je sais pas trop. Voilà. Peut-être c'est dans Scrooge? Non, on n'a pas de Scrooge. Bon, enfin bref. Ça y est, vous pouvez les rouvrir. Mais j'ai bien avancé. J'ai également transféré déjà toutes les séquences dans l'ordi. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur des critiques et des retours sur la première partie de Bridgerton. Et du coup, j'ai envie de me refaire la 1 et la 2.
Parce que je me dis que maintenant que je sais un petit secret enfin, sur la révélation de qui est Lady Whistledown, là, je sais pas comment on dit, bref, la chroniqueuse, qui est en voix off dans les saisons. Bref, moi je sais qui c'est. Et je me dis qu'en regardant la 1 et la 2, je peux peut-être voir certains petits trucs que dans une première lecture, on ne fait pas gaffe. Voilà. Et ça me donne très très envie. Donc j'ai vu pour même mettre Netflix sur l'ordi et je demanderai les codes à Loïc. Comme ça, de toute façon, je l'aurai aussi pour ma semaine prochaine. Ouais. Et je vous ai pris parce que HelloFresh que j'ai reçu. Alors je ne l'ai pas reçu ce matin. J'avais eu le SMS comme quoi il me livrait entre 14 et 15. J'ai mangé tard aussi, j'ai mangé à 14h15. Donc voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Cette saison, l'asperge, youpi. Bon, Loïc adore les asperges, je suis un peu moins fan. Mais je crois qu'on a pris une recette avec des asperges, justement, pour faire goûter aux filles. Et puis, bon, ben, voilà, puisque Loïc aime bien, hein. Il faut bien aussi que tout le monde prenne du plaisir. Alors, cette semaine. Alors, à savoir que là, on avait enchaîné beaucoup, j'avais pas fait gaffe avec des plats de pâtes, je sature un peu. Il nous reste encore les penne au poulet à faire. Bon, comme on a congelé le poulet, on est moins pressé. Donc, pour ce soir, vu que je n'ai pas d'anse, on va pouvoir faire une recette. Je vais voir quoi. Alors, bien sûr, rapidement à faire, c'est quand il y a des crevettes. Et j'ai effectivement je suis en train de bugger parce qu'en fait, je crois me souvenir qu'on l'avait déjà pris. C'est une sorte de riz sauté crevettes et soja à la chinoise. Et je crois me souvenir que j'avais dit à Loïc, ah, mais c'est vachement bon. Et ça fait un peu comme un ricotta crevette. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Je ne sais plus, mais en tout cas, ouais, avec des champignons et tout, ça va être super bon. Et puis de toute façon, en version asiatique, que j'adore. Donc on a ça. Voilà, qui a l'air bien sympa. Ensuite, on s'est pris un carré de porc grillé et asperges aux herbes avec des pommes rissolées et une sauce ravigote. Ça, c'est pareil, donc c'est pour faire le côté asperges. Il y a quand même des patates, comme ça, ben, je sais très bien que les filles mettront les asperges de côté, mais. Bon, les patates, il y a la viande, voilà. Puis du porc, ça change. On n'en prend pas trop, on prend surtout du bœuf, du poulet. Donc, bon, voilà, carré de porc. Ce qui est bien, c'est en plus inférieur à 650 kcal. Et alors, à faire rapidement aussi, donc à un moment donné, il va falloir choisir, mais. Ah, c'est pour ça que j'ai deux pâtes. J'avais pas compris. Loïc avait très envie, il adore tout ce qui est tourte. Donc, tourte forestière, champi et lardons. Et en plus, ah oui, c'est pour ça qu'on l'a pris. C'est une recette spéciale robot. Voilà. Je suis en train de bugger encore parce que je regarde derrière. Moi, quand on me dit une recette spéciale robot, c'est qu'on la fait de A à Z robot. Au moins 90%. Et en fait, en regardant les étapes, bon, hacher l'ail, l'échalote, ok, cuire la farce dans le robot, pourquoi pas. Mais faire la béchamel dans une casserole. Eh mon gars, justement, on va dire que faire une béchamel, alors. En soi, je sais que c'est pas compliqué, mais c'est quand même la chose qui, pour moi, me gonfle de faire traditionnellement. Donc, c'est justement là où on va le faire au robot. Voilà, parce que faire revenir la farce et puis touiller un peu, c'est pas le plus chiant, hein. Enfin, en tout cas, dans ma manière de cuisiner. Moi, ce qui me gonfle, c'est tout ce qui est les sauces. Ouais, faire une bonne béchamel et tout ça. Et là, ils vous disent faire la béchamel à la casserole. Ben non, en fait, non, non, je la ferai au robot. Voilà. Alors c'est peut-être parce qu'ils se disent qu'on n'a pas de bol, mais bon, peu importe. Au pire, ça, vous le mettez dans un saladier, puis vous réutilisez votre bol. Bon, enfin bref, il y a des trucs, c'est pas très clair dans leur. C'est très bien pensé de vouloir introduire des recettes au robot, mais alors dans ce cas-là, mon gars, va jusqu'au bout. Vraiment, fais tout au robot. Renseigne-toi sur ce que peuvent faire les robots. Alors, je pense que. Maintenant, les monsieur cuisine et tous ces robots différents de Thermomix doivent quand même vous proposer de faire des béchamels. Hein. Donc, je vois pas pourquoi la béchamel ne se ferait pas au robot. Bon, bref, c'est mon petit, entre guillemets, coup de gueule. Ah, un autre petit coup de gueule, juste parce que j'y pense. Le livreur, donc, c'est Chronopost, enfin, voilà. Hein. Mais ça fait deux fois qu'il me livre un carton où ils sont quasiment, enfin, c'est explosé. Voilà, ça se voit qu'il a pris un shoot. Et sur le coup, là, je lui dis. Je dis, mais dis donc, le carton, il s'est pris des shoots, non? Et il me dit, ben ouais, le truc, c'est que ça, c'est les gars ils chargent dans les camions. Ben, ça arrive en fait en gros bloc sur palette, puis ils prennent les cartons et puis ils les bazardent, quoi. Alors, je dis, génial, quoi. Il me dit, ben oui, vous n'êtes pas la première à me le dire. Ouais, mais bon, à un moment donné, moi, quand je récupère mon carton, j'ai liké partout. La dernière fois, c'était quoi? Ah oui, les sacs. Du coup, il y avait tout qui était tombé, je ne savais plus à quoi il correspondait. Et j'avais à moitié le sachet d'épinards, à moitié écrabouillé. Bon, en fait,
super quoi. Donc voilà, si jamais l'eau fraîche passe par là, ça m'étonnerait fort, mais essayez de revoir un petit peu juste que les gens soient précautionneux avec les cartons que vous préparez. Bon, en tout cas, ça change des pâtes. Vous avez vu, du coup, pâtes, voilà. Tourte, riz et patates. Voilà, pour cette semaine. Et ensuite, on n'a pas pris pour semaine prochaine, puisque moi, je suis en formation. Et comme j'ai dit à Loïc, on a mal calculé notre coût. Parce qu'en fait, limite, c'est cette box qu'on n'aurait pas dû prendre. Parce que comme ça, là, on finit la semaine. Enfin, mais attends, c'est pas grave, on va aller faire les plats. Et au contraire, nous faire livrer la semaine prochaine pour que je puisse avoir les recettes. Mais on a annulé parce qu'en fait, Loïc n'est pas là le mercredi pour réceptionner et il ne peut pas être là le jeudi. Et moi, là, cette fois-là, je n'y serai pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on reprendra après en juin. Donc voilà, je vais aller accrocher tout ça au frigo. Je vais sûrement commencer à monter le vlog pour gagner un peu de temps. Et puis je vais voir si je finalise. Ah oui, je finalise la table. Ou si je prépare. J'ai bien envie de me préparer un DP pour ne pas laisser retomber le soufflet là. Donc je vais voir. Puis je vais aller boire un coup aussi. Bon, alors, j'ai fini. Ça y est, mon colo à table. J'ai mis du pastel sec sennelier pour faire le côté fumé. Et je me suis dit, ah, mais est-ce que tu ferais pas aussi au blanco, tout ça, enfin, au blanco. Non, pas au blanco. Enfin, en blanc. J'ai voulu utiliser le signe au blanc. Il marche pas. Donc, j'ai pris le Posca. Voilà. Donc là, il est en train de sécher. Et ensuite, j'ai repris ma boîte de livres entamés et j'ai dit, t'es, refais un peu le tri. Bon. Mais du coup, j'avais noté à la base, je crois, 49. Là, j'en ai 37. C'est bien quand même. C'est très bien. Voilà. Donc, je dirais tout ça. Parce qu'il y en a que j'ai commencé par moi-même. Il y en a que j'ai viré, puisque vous savez que j'ai fait un tri dans ma colothèque. Et donc, c'est pas mal. Bon, 37, ça en fait quand même encore beaucoup de pas entamé. Mais on va dire que c'est quand même intéressant. Intéressant. Surtout que là-dedans, je n'ai pas mis les mystères, donc réellement, je suis à 39. Oui, parce que j'ai deux mystères pas entamés, mais bon, ça va être vite réglé, ça. Voilà, pour ça. Il va être 5 heures. Du coup, ouais, je sais pas, j'ai bien envie de me préparer un DP, là, donc c'est ce que je vais faire. Me revoilà. Comme inspecteur gadget. Non, c'est qui? Me revoilà. Bon, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Je suis donc sur la fin de journée, puisqu'il est 6h moins 5 exactement. Et j'ai fait ouais, ces petits stickers d'action. Voilà. Je les avais sur le bureau. Je dis, tiens, allez, est-ce que tu ferais pas ça rapido? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a pris quoi? Tout péter 20 minutes. Ils sont tout petits. Donc il y a celui-là. Alors c'est des partiels en plus. Ouais, c'est des stickers, quoi. De la Reine des Neiges. Donc avec le. Je sais plus comment il s'appelle, je sais jamais comment il s'appelle, lui, bref, l'esprit de l'eau. Il y avait le petit flocon, là, que j'ai failli oublier d'ailleurs. J'ai dit, ah mais il y en a un autre à faire. Donc voilà. Alors c'est moi qui ai décidé des couleurs. Voilà. Bon, en fonction du dessin d'en dessous. Ensuite, Anna et Olaf. Tout simple. Voilà, tout mignonné. Par contre, je sais pas où je vais les coller parce que ce genre de sticker, enfin, j'ai envie de les coller sur des choses durables. Vous voyez, comme par exemple l'album de stickers. Bon, mais c'est l'album de stickers. Là, effectivement, voilà, je vais me les garder si éventuellement. Parce que je me disais sur l'ordi, mais non, parce que je risque de perdre les perles. Enfin, il faudrait un truc mais qui bouge pas, mais pour le coup, que je ne jette pas non plus. Donc, pas un simple cahier, quoi. Hein, pourquoi pas? Je suis en train de calculer les porte-vues. En général, les porte-vues, je les jette pas. Bon, enfin, on verra. Le dernier, mon préféré, Bruni. J'adore Bruni. D'ailleurs, je l'ai un petit Lego là-bas. Alors là, pour le coup, je pense que j'ai inversé les couleurs, puisque là, c'était le violet clair qui aurait dû être ici, et là, je pense le foncé. Sauf que, comme il y avait aussi du foncé dans Anna, j'ai fait d'abord Anna, puisque c'était sûr que c'était le foncé, et lui, après, ben, il m'a resté. Pour moi, il ne m'en restait pas assez. Donc j'ai dit, je préfère assurer le coup et le mettre, tant pis, j'inverse les couleurs. C'est pas grave, ça fait peut-être bizarre, mais bon.
le petit faucon aussi. Tout est fait de stickers, quoi. Donc voilà, mes trois petits stickers sont faits. J'y mettrai quand même un petit coup de lac. Je vais comptabiliser ça dans mon cahier, la Reine des Neiges. Et puis après, je vais aller chercher les filles, et voilà. Un petit truc déjà de débarrasser. C'est bien comme ça, les petits projets. C'est vrai que c'est rapide, ça m'a fait du bien parce que j'avais envie de dépayer. Bon, il va falloir quand même que je réfléchisse pour en préparer un plus grand. Mais déjà, c'est pas mal. Voilà. En matière de productivité, on va dire que j'ai fini le carré à table, qui était un whip. J'ai fini donc trois petits stickers. J'ai déjà classé tous les colos que j'avais reçus pour le colobac, donc ça, c'est du temps de gagner. Rendez-vous psy, c'est fait. Discussion avec les copines, c'est fait. Donc, impeccable. Voilà. Je vous dis, journée efficace. Et plaisante. Voilà. HelloFresh reçu. Ah oui, quand même. Ouais, j'en ai fait. Plus ou moins. Pendant que les filles vont faire les devoirs, je pense que je débarrasserai le lave-vaisselle. Et puis voilà. Allez, à de suite. Allez, je vous reprends rapido parce que ça y est, bon, j'ai récupéré les filles, on est en train de faire les devoirs, Lorena finit ses maths et j'ai récupéré, tada ! Donc ça, c'est mon lot que j'avais gagné sur un concours de bulles d'arc-en-ciel, voilà. Donc je trouve qu'en fait, ben, ça a été super rapide parce que hier au live, elle m'a dit qu'elle avait expédié avant-hier, je crois. Écoutez, tant mieux. Et effectivement, j'avais pas eu d'alerte. Puisque c'était sur mon compte de la chaîne. Et quand je suis allée voir, j'avais en fait le mail comme quoi, oui, Mondial Relais, il vous attend. J'ai dit, ah mince, bon, ben, voilà. Donc, je l'ai récupéré, on va le découvrir ensemble. Allez, donc, on y va, j'ouvre. Oh, oh, c'est trop mignon, regardez ça. Ah, c'est trop chou. Bon, allez, je regarde. Oh, c'est trop mimi, mais il va falloir que je les récupère, ces petits stickers, là. C'est vraiment trop chou. Oh, elle est gentille. Elle m'a mis des marque-pages. Oh, trop bien. En plus, il y a des marque-pages que, bah, moi, je... Alors, on n'a pas vraiment les mêmes goûts avec Bulle, mais du coup, c'est bien, parce que comme elle n'est pas trop Disney, je sais qu'à chaque fois, elle me fait découvrir plein de trucs. Là, c'est sympa. Arriver à bon port. C'est sympa parce que il est très simple. Il suffit que je choisisse une couleur. Il peut être vite fait. Et ce qui est bien pour une fois... comparé au marque-page de Disney, c'est que l'arrière est plus ou moins fait. Donc, au moins comme ça, ça reste propre. Mais je me disais quand même de faire peut-être au feutre à alcool. Ben justement, d'ailleurs, puisque c'est avec le lot des feutres à alcool, c'est pas bête. C'est peut-être pour ça que tu m'as mis des marque-pages. Après, c'est Marimé à tes yeux. Oh, c'est joli. C'est des sirènes. L'éditeur de la mer, Vagnon. Ben, je connais pas. En tout cas, c'est très joli. J'aime bien. Et puis, tu sais que moi, du coup, si j'aime pas, je te dirais, ouais, bon, c'est pas mon style. Non, j'aime bien, j'aime bien. La question, c'est, vu que c'est quand même petit, est-ce que je tenterai pas au crayon de couleur? Ça peut être l'occasion. Et le dernier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est des petits... Comment ça s'appelle ça? Ah, j'ai plus le nom. Narval? Non, je sais plus si c'est ça. C'est Narval? Comment vous le savez-vous? Parce que je connais. Pourquoi tu me dis oui comme ça, très sérieuse? Ces filles alors. Et avec des petits bateaux, un petit bateau en papier, un petit bateau qui vogue sur l'eau. Donc c'est sympa parce que je suis pas trop, j'allais dire, ouais, mer, produit de la mer, c'est pas forcément mon dada parce que c'est trop bleu. Mais un petit comme ça dessin, j'aime bien parce que ça me fait penser à Joanna Basford. Les petits éléments comme ça, donc j'aime beaucoup. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que, mis à part celui-là, au centre, ça et ça, c'est une symétrie. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop gentil. Félicitations, tu as remporté le lot de 48 Twin Markers. Il y a un petit mot pour moi que je vais me lire. Je vais vous montrer ça de suite. Bon, ben en tout cas, c'est très gentil ton petit mot que je vais garder, bien sûr, pour moi. Là, t'as dit maman. Ouais. Je suis ravie. Donc, effectivement, la carte, j'adore. Toute mimi. Et ben, moi aussi, je suis très heureuse d'avoir gagné enfin quelque chose. Bon, après, il faut dire que souvent, même sur Instagram, quoi... Ça me gonfle, c'est les... Ce qui me gonfle, c'est les conditions. Alors, c'est normal qu'il y ait des conditions, c'est pas le truc. Mais liker, facile, je sais faire. Être abonné, en général, je suis abonné, sinon je ne verrai pas passer le concours. Partager en story, avant, je ne savais pas.
Ça y est, je commence à m'y mettre. Je crois que ça y est, je sais le faire. Mais alors, ce qui me fatigue, c'est de taguer. Parce que réellement, moi, j'ai pas. Enfin, si, j'ai des copines, quand c'est pour le colo, tout ça, c'est facile. Je vais taguer les copines. Mais souvent, quand je fais des concours, ça va être pour ici, des magasins, des trucs. Voilà, la dernière fois, il y avait trois bons d'achat de 50 € pour un magasin que j'ai là. Bon, mais du coup, moi, l'intérêt, c'est de taguer des gens qui habitent dans le coin, quoi. Donc, j'ai pas ma famille, j'ai personne dans Instagram. Donc, voilà, ce genre de truc, ça me fatigue vite. Voilà. Surtout quand encore c'est un ou deux, ça, parce qu'il commence à en falloir trois, et que je regarde un peu, et que celles à qui j'avais pensé, elles ont déjà été taguées. Enfin bref, vous avez vite compris, moi, quand ça me gonfle, voilà, je laisse tomber. Bref, tout ça pour dire que là, par contre, ça m'a fait énormément plaisir. Bon, fini de blablater, que je vous montre quand même ce que j'ai gagné. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de Bulle, donc 48, c'est des paquets de 12. Voilà, donc je ne les avais jamais pris à Action. Parce que, bon, déjà, premièrement, vu que c'est des paquets de 12 et que je ne connais pas par cœur mes numéros, ben je me suis dit, tu ne vas pas acheter si au final, tu te retrouves avec que des doublons. Voilà. Et que c'est vrai que, mine de rien, c'est pas négligeable maintenant. Hein, les 12, c'est quand même pas donné. À l'époque, c'était des super promos parce que c'était les 50 ou les 60 pour peut-être 4 € ou un truc comme ça. Là, je crois quand même que c'est un petit. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très gentil. Surtout que, comme je te dis, Bulle, moi. Je les vois passer et je ne les achète pas parce que j'ai trop peur d'être sur des triplons. Bon, là, on va dire c'est un cadeau. Dans les lots que tu as eu proposés, c'est ce lot qui, pour moi, était plus pertinent parce que je savais très bien que j'allais les utiliser. En espérant que j'aurais pas. Enfin, du moins, j'espère que j'aurai peut-être une ou deux couleurs par paquet que j'ai pas, qui me complètent. Et de toute façon, c'est des feutres alcool et c'est jamais perdu. Donc, je suis en plein vibe là de feutre alcool, donc ravi. Donc bref, la verte, tout le combo de rose fuchsia violet, les bleus turquoise et vert, voilà, et oui, hop, orange, jaune, tout ça. Donc, prochaine étape, voilà, les filles ont fini, tout ça, on va voir ce qu'on fait à manger, mais sinon je vais ben, déjà pointer les numéros, espérer peut-être avoir quelques nouveaux, et puis je vous tiendrai au courant. Ça y est, le week-end est là. Donc, on est vendredi 24 mai. Là, il est quasiment 15 h. Alors, bon, on a mangé puisque Loïc est là. À 14 h, il a repris le boulot. Moi, du coup, je suis allée faire ma machine. J'ai enlevé. C'était les serviettes cette fois-ci. Donc, j'ai rangé toutes les serviettes. Et j'ai rangé mon DP. Donc, avec mon porte-vue. Et j'en ai profité pour les. Revoir le rangement. Parce qu'en fait, j'avais fait un DP sur un côté d'un porte-vue en me disant, c'est pas grave, après je mettrai derrière. Puis j'ai dit non, ça ne me va pas. Donc j'ai fait de suite recto verso. Il y en a où je sais que j'en ai deux, ben, j'ai essayé de les faire face à face. Voilà. Bref. Donc voilà comment j'ai mis à peu près 40 minutes. Hier soir. Alors, hier soir, on a commencé Highlander avec Loïc. C'est très sympathique. Finalement, je pense que j'avais pas été dans le mood au moment où je l'ai démarré. De toute façon, Netflix gardait. Donc, Louis qui me dit, ah oui, effectivement, t'as pas regardé beaucoup. J'avais laissé quoi, 15-20 minutes. Et puis, je dis, non, ça, qu'est-ce que c'est, ce truc? Voilà. Bref, j'avais pas, comment on dit, laissé la chance au produit. Puis bon, on discutait avec des copines. Et puis, il faut dire que c'est très olé olé. Voilà. On va pas se cacher. Hein. Ça fait du bien. Au moral, bien sûr. J'ai dit, allez, il faut qu'on retente, voyons. Donc, comme il y en a d'autres qui ont démarré aussi la série, j'ai pu un petit peu glaner des infos en disant, bon, où c'est que ça devient quand même croustillant? À quel moment vraiment on est pris par la série? Tout ça, donc, à peu près dans les 6-7e épisode. Bon, là, on en a vu deux. Finalement, j'ai plus vite accroché que prévu parce que j'aime bien. J'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. J'ai envie de savoir le pourquoi de la chose. Enfin, voilà. Et surtout, comment elle va se dépatouiller dans cette histoire. Donc, ça, c'est pour la série. Et en même temps que je faisais ça, donc, j'ai pas démarré encore ma broderie. Bon, encore une fois, un appel, un 04, je me suis fait avoir, puisque du coup, là, c'était à nouveau pareil, le bureau d'études énergétiques pour savoir si on est éligible une aide financière pour les panneaux photovoltaïques. On a déjà fait tout ça, on n'est pas éligible, on gagne trop. Oh, bref, passons. Donc, je vous disais quoi? Oui, pendant
Donc, ce temps-là, la broderie, pour l'instant, je ne l'ai pas redémarrée. Je pense que je vais me la prendre là pour la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Je vais me prendre la broderie. De toute façon, je vais me prendre un peu de tout, ne sachant pas trop de quoi j'aurais envie. Je vais prendre du colo, ça, c'est sûr. Et de la broderie et du. Non, pas du DP. Non, le DP, je ne vais pas m'embarquer tout ça. Je peux tenir une semaine sans DP. Et hier, donc, j'ai ouvert. Loïc m'avait racheté cet album. Donc, j'ai rouvert. Voilà toutes les images. Je me suis dit. En attendant que j'écoute un spécial Top Chef de podcast In Power, j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Et j'aime bien comme ça, voilà, j'écoute. Et là, ils ont fait pour les 15 ans une spéciale Top Chef. Donc, elle interview les candidats de Top Chef. Donc, j'aime bien, voilà. Ça dure dans les 30 minutes, c'est pas voilà, énorme. Donc, effectivement, je vais voir qu'est-ce qu'il en est pour les cartes. Et ensuite, voir s'il faut que j'en colle certaines. Et d'ailleurs, je pense que je le ferai en même temps. Parce que tant qu'à faire, vu que j'ai l'album, autant le faire aussitôt. Ouais. Ça vous dit de faire avec moi ou pas? Je sais pas si je vous mets en speed... Comment on pourrait dire ça? Un speed glue? Non. Speed collage? Comment on dit collage? Stick? Je ne sais pas trop. Bref. Pourquoi toujours vouloir mettre de l'anglais? Je vais filmer, je vais réussir à la séquence, c'est intéressante ou pas par rapport au timing aussi, parce que je pense que je vais vous clôturer après ça. Je vous clôturerai de toute façon ce soir parce que j'aimerais commencer le montage pour être tranquille du week-end, faire ma valise et tout et tout. Et on fera rien de plus de toute façon parce que demain, taekwondo, il n'y a rien de prévu ce week-end. Dimanche, la fête des mères. Je sais ce que va être mon cadeau. Je suis trop contente. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, ce soir, on a l'Assemblée Générale de l'association. Le bureau est sortant. Donc, je ne sais pas trop qui va se proposer pour trésorière et présidente. Sinon, ah oui, ce matin, j'ai un peu avancé, comme d'hab, dans mon verre. Oui. Quelle espante. Je vous remontre. Toujours pareil. Fermez vos petits yeux. Pour ceux qui ne veulent pas voir. Allez, on y va. Il avance petit à petit. Voilà. Là, j'en suis à ça. Là, je ne comprenais pas trop l'arrière. Donc, voilà. C'est chou. Ouais. Je ne sais toujours pas qui c'est. Tant que je ne serai pas allé voir la solution. Voilà. Et après, mais j'ai pas trop avancé ce matin. Puisque c'est moi qui ai amené les filles à l'école. Voilà. Cet après-midi, elles avaient le cross. Il ne fait pas très beau. Mais bon, normalement, ça a été maintenu. Et après, je crois qu'on est bon là, hein, dans tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis ben, du coup à tout à l'heure pour clore cette semaine. Et sinon, là de suite, je vais m'attaquer à checker. Voilà. Checker ce que j'ai, ce que j'ai pas. Allez, pour commencer, vu que les cartes, là, elles sont à l'envers. Bon, j'ai envie de me les mettre à l'endroit. Je vais les retourner. Donc comme ça, ça vous permet d'en profiter. J'espère que vous verrez assez. Je passe vite, hein. Puis il y a mon doigt, mais bon. L'idée est juste de les mettre dans le bon sens. Là, elle est très très belle, hein, les cartes, hein. J'aime bien celle-là avec dans la bulle comme ça, c'est cool. Alors ça, je vois pas trop qui c'est. Certes, c'est un loup, mais est-ce que c'est l'autre là, le professeur Lupin, un loup ou c'est pas lui? Non, j'ai pas l'impression, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est sérieux? Oh, Dobby. Après, vous savez... Alors moi, je ne l'ai pas, hein, le livre des enluminures, là, mais celles qui l'ont, si vous avez ce genre de carte, en fait, mais ça peut vous aider aussi à avoir les images. Regardez celle-là. C'est la dernière, je crois, ouais, la 50. Celle-là est superbe avec Harry en premier plan, les deux autres de chaque côté, avec... ouais, voilà. Voilà, je les ai dans le bon sens. Déjà, je vais checker ça, voir si je les ai dans l'album. Pareil, ça, les albums, sachez que du coup, c'est... À la base, ça coûte 2,90€. Bon, allez, on va dire pour 2 euros, je peux vous le laisser si jamais vous avez envie de le faire, d'avoir l'album. Je vous ferai... Alors, ce qui est prévu pour
Sur le temps où j'aurai pas les filles, pendant les vacances et tout ça, que je pourrais laisser au pire mon bins et tout. C'est prévu que je vous montre donc toute ma collection. Je vous montrerai également les albums que j'ai en double, qui réellement ne me servent pas du tout. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour acheter les albums, je pourrais via Vinted vous les mettre en vente. Et à savoir que souvent avec les albums en double, j'ai de toute façon des doubles d'images. Donc rien n'empêche que vous pouvez se mettre d'accord sur le prix du sticker. Et puis après, ben, on multiplie par rapport au nombre que vous prenez. Et basta. Vous pouvez vous faire aussi un petit album comme ça qui peut, comme je vous disais, servir pour aussi du colo. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je vais juste checker avec vous les cartes. Et après. Hop, le reste, je verrai si je vous filme, si je vous mets en musique ou pas. Ah ben voyez, c'est un, je ne l'avais pas. Alors par contre, il faudrait que je retrouve mes cartes aussi. Alors attendez, il serait bien que je les retrouve. Allez, comme ça vous êtes avec moi, on cherche ensemble. Alors là, ça, c'est mon petit sac où je mets toutes mes cartes normalement. Donc, j'ai du Miraculous, j'ai du LOL, j'ai de la Reine des Neiges. Ah ben j'en ai deux apparemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est quoi? Ah, le Roi Lion. Pixar. Ah ben non, apparemment, c'est pas ici que je les ai. Ce qui veut dire que j'ai un suivi de cartes ailleurs. Bon, ben, j'ai eu beau chercher partout. Pour l'instant, je ne retrouve pas les autres paquets comme ça de cartes. Où c'est que ça pourrait être? Parce que y a pas que cette trousse. J'ai retrouvé, mais après, c'est tout un classeur. Je pense vraiment que grâce au fait de faire les vidéos aux collections, j'arrive à retrouver un peu tout ça. Bref, j'ai retrouvé ça. Mais ça, en fait, c'est juste les doubles de cette fois-là. Donc, c'est pas grave, je vais ranger quand même mes doubles. Mais ben, celle au départ que je suis censée avoir, là, je sais pas où elles sont. Voilà. Donc, c'est pas grave, on va quand même pointer. Et puis, il faudra que je me mette dans un endroit vraiment les doubles. Et... Ah, si, je vous disais une bêtise. Il y a 25 cartes standard et 25 cartes brillantes. Effet arc-en-ciel. Voyons, la 1 est censée être effet arc-en-ciel. Ouais. Si tu le dis. Bon, comment en cocher? Tout simplement avec un feutre. Je vais prendre un. Allez, un violet comme ça ferait la différence. Donc. Ah oui, celle-là. Celle-là, je suis d'accord. Celle-là, on voit qu'il y a un effet brillant. La première, un peu moins. Et du coup, la 3. Est censé être. Enfin, je l'ai déjà. Sauf que si je ne les retrouve pas, voilà, c'est ça mon dilemme. C'est pas grave, pour l'instant, je vais la mettre en double. Puis après, on verra. Ah ouais, elles sont vachement belles par contre. 6. Ah, mais voilà, il me manquera toujours la 5. Et 50. Bon, du coup, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sur 50. C'est pas mal. Celle-là, c'est les bonnes. Celle-là, c'est les doubles. Et en double, j'avais déjà aussi celle-là. Voilà. Ça va falloir que je pointe dans mon logiciel. Je vais marquer double sur le paquet comme ça, je saurai que c'est les doubles parce que maintenant il faut, voilà, ça suffit, il faut être efficace, hein, on va dire. C'est les doubles qu'il va falloir que je pointe. Donc je vais me laisser par là et ça, c'est les miennes. Ok. Allez, ça y est, donc j'ai ouvert mon site, j'ai pointé les cartes et là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller au fur et à mesure et ensuite je repointerai sur mon site les manquants et comme ça. Ce sera déjà fait. Donc, hop, voilà, je m'installe. J'ai mon temps ici. C'est parfait. Et je vous mettrai bien sûr en accéléré en musique.
Allez, ben ça y est, écoutez, bon, en réalité, on était sur 42 minutes. Vous, du coup, je vous ai accéléré à fond. Voilà. Ben, en tout cas, ça me fait un bon petit paquet de doubles. Je vais pointer tous les manquants sur mon site. Et puis après, ben, écoutez, je verrai quand c'est que je réactive les échanges parce que c'est du boulot et que pour l'instant, non, j'ai pas le temps pour ça. Allez, je vous laisse là. Et puis après, je vous reprendrai sûrement ce soir pour vous clore cette semaine. Ça y est, je vous reprends ce samedi 25 mai. Je vous avais dit que je fermerais la semaine hier, mais voilà, crevé, fatigué, pas forcément revenu ici puisque on a avancé encore la série Outlander, donc voilà. Mais c'est pas grave, je vais vous clôturer ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé, ça y est, le mystère dans le hiver. Alors en fait, il s'avère que c'est un personnage du Noël de Mickey, je crois. Voilà. Donc très sympa parce que je ne connaissais pas. Voilà. Et ensuite, en regardant donc les Outlander, j'ai fini également avec cette palette. Hop, mon whip dans le Rita Berman. Voilà. Regardez comme c'est beau. Alors, je ne l'ai pas vraiment fini. Là, justement, je vais le terminer pour tout ce qui est les petits cœurs. Là, je vais y mettre de la paillette et ça y est, il est fini, quoi. Mais ouais. Ça me suffit. J'ai un petit peu ombré le flamant rose. Voilà, un petit peu. J'ai mis du marron ici. J'ai un petit peu repassé les quelques petits éléments en rose. Voilà. Et après, sinon, entièrement fait au Derwent Intent Albrecht Dürer. Et en me basant sur la palette. Voilà. Donc, très contente de cette semaine où, ben, la semaine dernière, c'était quand même full DP et j'avais terminé un DP. Cette semaine, ça a été full whip et j'ai terminé deux whips. Voilà. Je me dis, ben, ça fonctionne bien par semaine, écoutez. Et chaque semaine, ben, mon envie change, donc c'est très bien. Là, je me suis installée, donc il est 11h20. Je me suis installée pour faire le montage du vlog. Comme ça, après, on fera une recette HelloFresh. Ah, j'ai oublié de vous filmer la recette qu'on a fait cette semaine. C'est les crevettes avec le riz cantonais aux crevettes. Bon. J'y ai pensé hier midi, puis après j'ai zappé. Donc là, après, voilà, on fait une recette HelloFresh. Puis après le repas, Louis qui ira faire 2-3 courses à Lidl pour le week-end. Vu qu'après, moi, je ne suis pas là la semaine prochaine. Et moi, par contre, il faut que je passe un Spirou dans ma voiture parce qu'elle en a bien besoin et ensuite il faut que je fasse ma valise. Et c'est pour ça que je voudrais faire le montage du vlog, que tout soit calé à ce niveau-là. J'ai toujours des cils sur les lunettes, ça m'énerve. Bon, donc voilà, c'était simplement vous raconter ça. J'ai prévu, donc déjà le prochain, je dois aller dans celui-là, il est neuf. Voilà, donc il faut que je vois ben, quelle page je vais préparer. Et quand je ne sais pas trop quoi faire, c'est donc celui-là le prochain. Et après celui-là, j'entame tous les grands classiques. Ben, tome 1, tome 2, tome 3, voilà. À la base, je l'avais mis après. Jusqu'au tome 11, je l'avais mis après. Mais en fait, je me suis dit, ben non, parce que c'est spécial portrait. Spécial étant une S, ça vient avant la lettre T. Mais c'est compliqué de savoir un peu dans l'ordre, voilà, sous quel format. Après, ça ne tient qu'à moi, hein, c'est sûr, c'est mon classement, mais je ne sais jamais si je mets en avant plutôt tel titre ou tel. Mais bon. Les grands classiques, tous les autres s'appellent les grands classiques, c'est le spécial portrait. Donc, c'est la lettre S. Et j'ai envie de vous dire, même si au pire je prenais portrait tout court, c'est la lettre P. Donc, dans tous les cas, c'est avant les tomes. Voilà. Donc, celui-là, et après, ça va enchaîner sur chaque tome des grands classiques. Et une fois, si vraiment, enfin, ce sera sur toute façon juin. Hein. Et après tout ça, j'arrive au Love Story. Où ça va faire mal. Celui-là, il va mettre du temps. Bref, donc j'ai déjà celui-là. À chaque fois, je me le mets. Voilà, le prochain, je me le mets là sous la main. Sinon, pour la semaine prochaine, ben, je ne sais pas encore exactement ce que je mets dans ma valise colo.
Je pense de toute façon vous réouvrir le vlog demain, dimanche. Comme ça, vous serez avec moi pour. bon, la valise classique, vous en fichez. Franchement, c'est pas en fait ce que je vais prendre le plus parce que je vais prendre deux pantalons, des hauts, 4, 5 culottes et puis pull parce qu'apparemment il va pas faire super beau. Enfin, il fera peut-être, enfin, il ferait bon, mais comme je ne connais pas trop le temps, voilà, le 26 degrés ici n'est pas le 26 degrés ailleurs. Donc, voilà, une trousse de toilette, enfin, un pyjama, un truc classique. Voilà. Là, franchement, ce qui me prend le plus de choses, c'est savoir qu'est-ce que je prends au niveau colo. J'ai pas envie de prendre 3000 trousses. Je pense qu'au plus simple, ben, je vais prendre ma trousse des Albrecht, parce que c'est ce que j'utilise le plus, ça c'est sûr. Ouais, donc les Albrecht. Peut-être aussi quand même les Derwent Intense, c'est parce que c'est vrai que j'aime bien les deux, parce que ça c'est sûr, je m'embarque le grand vitraux. J'aimerais finir mon Pinocchio. Et après, je suis quasiment sûre aussi que je prendrai le Mystère Vitraux. Et après, il faut que je trouve d'autres trois trucs pour sortir comme les vitraux. Le monde rêvé de Johanna Basford. Enfin, je vais essayer de m'en prendre au moins 4 pour être large, on va dire, au niveau des choix. Donc comme ça, j'aurai un grand format le vitraux, un mystère le vitraux, mais je pense que je prendrai un autre mystère aussi pour ouais, soit je reprends un tome 11, soit j'ai bien envie d'aller dans le manga ou le créature fantastique aussi, ouais. Ah ouais, pour pas, ah ouais, pour prendre un Disney et un hors Disney, ouais. Et les mondes rêvés donc de Johanna Basford, ça c'est, ah, en même temps j'allais dire c'est sûr. Et même pas, parce que comme j'en suis à faire les timbres, j'ai pas envie de commencer un nouveau colo. Donc, et les timbres, c'est avec chaque gamme. Ah ouais, non, alors. Non, ça va pas. Bon, ben, je réfléchirai alors. Ah, ou je prends les petites victoires. Oui, c'est ça. De Johanna Basford, des petites victoires, comme ça, je le commencerai aussi. Et après, alors, je pense pas prendre du DP, parce que ça sert à rien de prendre tout l'attirail, les valisettes et le machin. Par contre, je prendrai ma broderie. Qui est petite à transporter, ça c'est facile. Je crois qu'on est bon. Ah, peut-être la carte à gratter aussi. Ouais, comme ça j'avance la carte à gratter. Et après, il faut surtout que je pense au live. Donc c'est soit je me mettrai sur le vitraux puisque j'ai un whip, soit je commence avec vous. Voilà, les petites victoires ou autre chose. Enfin, peu importe, voilà la thématique. Hein, ce sera un live. Spécial déplacement, donc on fera comme on peut. Mais voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais. Ouais, je réfléchis, mais on est bon. Ah, si, je vous avais pas dit. Si, je vous l'ai dit, j'ai reçu donc le cadeau que j'ai gagné. J'ai fait le pointage. Ça, je sais pas si je vous l'avais dit. Donc au cas où, je vous le dis. Sinon, j'aurais supprimé cette partie. Et bien, ils sont où? Ah, ils sont là. Dans la boîte orange, j'ai 4 nouvelles teintes. La boîte bleue, 3 nouvelles teintes. La boîte verte, 4. Et la boîte rose, 6. Ça me fait quand même 17 nouvelles couleurs. Donc, c'est quand même pas mal, 17. Et après, le reste, ben, c'est très bien. Ça me fait de la réserve. Voilà. Donc, ça aussi, il faut que je m'y attaque à faire le nuancier. Voilà. Puis aujourd'hui, j'aimerais bien aussi préparer, enfin aujourd'hui, en fait, dans le week-end, préparer mon futur DP également. Voilà, un petit peu le programme. Et bien sûr, entre tout, il y a faire les têtes aux filles. On a déjà fait les devoirs de Rebecca. Il y aura faire les devoirs à Lorena. Et après, j'aimerais bien faire un petit jeu aussi de société. Donc, à voir à quel moment j'ai le temps. Donc voilà, je crois que je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie comme d'habitude d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Je ne le dis pas souvent, mais s'il vous plaît, si vous avez aimé, si vous aimez mon contenu, si vous m'appréciez, les petits pouces, ça fait toujours plaisir, ça aide au niveau de l'algorithme. Un petit commentaire si vous voulez, je suis toujours ravie de vous lire. J'ai très peu de temps pour commenter, mais je vous mets le cœur, c'est que voilà, comment dire, le plaisir est là, le plaisir est partagé surtout. Et j'ai envie de vous dire, pour discuter, je
préfère toujours le direct ou un message privé, parce que les commentaires, j'y vais rarement sur ma boîte mail pour pouvoir être réactive, on va dire. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous, passez une très très bonne semaine. Moi, le jour où sort ce vlog, vous le savez, je suis à Arles pour toute la semaine, quasiment. Donc le prochain vlog sera un vlog voyage, entre guillemets. Donc peut-être qu'il n'y aura pas autant de contenu. Et je ferai mon maximum pour quand même vous fournir des choses, surtout le soir, puisqu'en journée, non, je serai en stage. Mais voilà. Allez, je vous fais pas plus long. Pff, mais quelle pipelette, c'est un truc de fou. J'ai plus de voix, mais je vous fais quand même la pipelette. Passez une bonne semaine. Bientôt, le mois de juin, le mois de mai sera passé, mais comme une lettre à la poste avec tous ces ponts. En tout cas, c'est les beaux jours qui arrivent, et ça, je m'en réjouis. De gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de suivre vos désirs et de vous faire plaisir. Allez, à lundi prochain. Gros bisous.